Bonjour à tous, en espérant que vous allez bien. Très content de vous voir. Bonjour à tous, en espérant que vous allez bien. Très content de vous voir. Je me réécoute. Dites-moi encore si l'image est nette. Je voudrais vraiment qu'on puisse tous avoir une qualité d'image, même si je me dis avec les temps un peu compliqués, tout le monde est sur Internet, alors ça nous amène à ne pas avoir une connexion de qualité. Mais je prie que vraiment notre Dieu sécurise vraiment ces temps. Amen. Que vraiment Dieu sécurise vraiment ces moments, qu'Internet marche en qualité, que vous ayez une vision aussi excellente. Ouais, on me dit que c'est encore un peu flou. Alors je ne sais pas comment ça va se passer cette histoire. Alléluia. Bonjour en tout cas, n'hésitez pas à partager. Qu'est-ce qu'on fait? On continue avec ça ou... Ah ok. C'est un peu flou, hein. Un peu flou, mais ça va. Ça va? Oui. Je peux recommencer, après je ne suis pas sûr. Voilà, de la qualité vraiment de l'image. Mais j'ai pas envie non plus que ça se dégrade. Le son est bon, gloire à Dieu. Ah, même si c'est un peu flou, on peut continuer. Que le Seigneur nous aide vraiment à avoir une meilleure connexion. En réalité, je pense que c'est déjà là où on est établi. Les connexions ne sont pas du tout bonnes. Et au-delà de ça, je pense que bon, voilà, aujourd'hui c'est le 11 novembre, c'est férié. Et beaucoup de personnes sont entrées surfer sur Internet. Et ce qui conduit à ce qu'on n'ait pas vraiment... une image vraiment de qualité. Mais je prie vraiment que Dieu nous aide. Oui, que Dieu nous aide vraiment à partager un bon moment. Je sais que vous avez déjà partagé de très bons moments ce matin. Qui a été béni par ce matin? Qui a été vraiment béni ce matin? Vous avez été béni ce matin, tout à l'heure. Alléluia, vous avez reçu du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, je vous encourage vraiment à partager autour de vous. On n'est pas encore assez. Je vais vraiment attendre tout le monde pour qu'on puisse commencer cette session. J'ai eu à cœur de rajouter cette session, ce que je vais faire là maintenant. Elle n'était pas prévue dans le programme, mais vu la manière dont Dieu nous conduisait, j'ai été amené à faire un petit enseignement qui va, je crois, nous faire du bien, qui va, je crois, vraiment nous bénir. Et ensuite, nous aurons une autre session tout à l'heure où je vais vraiment accentuer sur comment exceller dans le domaine professionnel. Et je crois que Dieu va nous faire du bien, que Dieu en va encore nous assister. Depuis qu'il le fait ce matin, j'ai vraiment aimé les différentes interventions, les différents thèmes qui ont été abordés. Je crois que c'est quelque chose d'important pour nous d'avoir accès à cette connaissance-là. Hein, vraiment, à avoir accès à cette connaissance, ne pas être ignorant. Avoir ces informations justement pour pouvoir opérer. Il est impossible de pouvoir influencer comme il faut si on n'est pas dans le social, si on n'est pas dans le domaine professionnel. C'est très difficile. En tout cas, notre influence sera vraiment limitée. Et notre influence ne doit pas se limiter simplement dans les quatre murs à l'église, mais nous devons influencer l'extérieur de manière différente. Voilà, de manière vraiment différente. Et pour ça, nous avons besoin de tout l'équipement que Dieu peut nous donner, toutes les informations que Dieu peut nous communiquer. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Je vous assure, en tout cas, faites cette session-là, faites la session aussi d'après. On sera richement bénis, ça je peux vous l'assurer. Je sais que Dieu est avec nous depuis le début et il va continuer encore à le faire, il va continuer encore à nous diriger par son esprit et avec certitude, nous allons expérimenter des choses bonnes. Alors, j'ai pris le temps de m'asseoir. Moi, j'aime bien prêcher un petit peu debout, mais là, je m'assois. Comme ça, je peux être un peu plus canalisé. Ça va me canaliser, ça va me permettre de ne pas déborder et vraiment respecter le timing. Mais dans tous les cas, je sais qu'on sera, chacun d'entre nous, béni et encouragé par ces moments. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un amen bien vivant et bien puissant, un amen bien glorieux. Bien glorieux. Un amen vivant. Hein, vous savez que l'un des principes dans l'acquisition de la parole,
c'est l'activité pendant que le message est communiqué. Lorsqu'on est actif, c'est comme ça qu'on saisit. Hein. Ça, c'est aussi important. Ça fait partie de la culture prophétique. Des choses qui nous donnent la possibilité vraiment de pouvoir prendre, dire au Seigneur, ça, c'est pour moi. Ça m'appartient de faire un avec ça. Voilà. Donc, je crois que Dieu va nous bénir. Alors, on est 45. Je vais quand même commencer parce qu'on a déjà, voilà, vu un. Pris un peu de retard à cause des connexions. Là, vous voyez, c'est vraiment pas notre faute. C'est vraiment à cause des connexions qu'on a pu, qui étaient un petit peu compliquées. Mais bon, je crois que Dieu va nous permettre de pouvoir quand même recevoir ce qu'il veut et il va nous donner la sagesse pour gérer en termes de temps. Vous le croyez ou pas ce soir? Ok, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut bien élever la voix avec moi ce soir, un moment? Est-ce que tu peux prier là où tu es, dans ta maison, là où tu es, dans ta chambre, ta salle à manger, dans ta cuisine, dans ta voiture peut-être, quelle que soit la ville dans laquelle tu es? Est-ce que tu peux élever la voix avec moi? Alléluia. Père céleste, mon âme te bénit, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, mon âme te rend toute la gloire et l'honneur. Merci encore au Dieu puissant pour cette journée qui était bonne, qui était excellente. Tu nous as conduits d'une manière magnifique et surnaturelle par ton esprit. Tu as utilisé plusieurs éternelles voies pour, Seigneur, nous accorder de la connaissance, mais surtout nous équiper en vue éternelle de notre vocation, mais surtout ce que tu as planifié dans nos vies. Et nous te bénissons vraiment pour ça. Seigneur, nous croyons que tu n'as pas encore fini. Nous croyons que tu as encore des choses à nous dire, des choses à nous communiquer. Et ce soir, dans ces lieux, nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes disponibles, nous sommes disposés, nous sommes prêts, Seigneur, à t'écouter, à saisir pleinement, Seigneur, ce que tu as planifié dans nos vies. Seigneur, sois glorifié encore. Influence ton peuple, illumine les yeux de son cœur, que l'esprit de révélation tombe. Seigneur, que les écailles tombent des yeux, que les forteresses s'écroulent. Que les mentalités changent, que Christ soit glorifié. Alors que je parle, je prie, Père, que la présence de ton esprit vienne envelopper chacun d'entre eux, Seigneur, chacun d'entre nous. Que ton Saint-Esprit éternel descende, que ta gloire éternelle soit répandue, que ta visitation soit notre partage, que nos vies soient transformées d'une manière surnaturelle. Accomplis ta parole qui déclare, Seigneur, lorsqu'on te cherche, on te trouve, ô Dieu, comme au jour de la Pentecôte. Ton esprit s'est répandu dans les vies, des langues de feu, Seigneur notre Dieu, se posèrent éternelles dans la vie de tout un chacun. Et le vent, Seigneur, souffla. Et je te demande encore de souffler. Je demande encore de répandre ton feu, Seigneur. Que l'esprit de mon frère, ma sœur, puisse, ô Dieu puissant, ressentir ta présence. Et que, Seigneur, les écailles tombent des yeux totalement. Que la lumière paraisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce soit répandue maintenant. Rabakose tes mains. Brusa brade le bosha, broka la zoga la mazoka daba, ribo jeli ma sakari boze de bro da la manda ba sheke bosa, brade lo vara we bre se kemanta, lo brade li ba 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 soke le brada, raba goze ke de brado gozada, regazo man de regazo bre de le bazoka da bazota, brinda la babo jige le bo zabran de le ba 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 sha, raba gazo ke de brado gabosa. Mandele de Boucha. Jésus, merci pour ta présence. Jésus, merci pour ce manteau qui tombe. Jésus, merci pour ton esprit qui agit. Jésus, merci pour ta présence qui est merveilleuse. Elle est douce. Elle est glorieuse. Elle se répand dans chaque maison d'une manière surnaturelle. Tu souffles le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, esprit de révélation, esprit de force. Maintenant, alors que j'élève ma voix, je soumets éternel tout environnement éternel. À toi, je déclare ton règne et ta seigneurie, Seigneur. Je condamne éternel tout ce qui ne vient pas de toi, tout esprit de distraction, de discorde, de confusion éternelle se taise et parte dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant le règne de Jésus-Christ, maintenant, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ton esprit qui va souffler. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Qui est en activité maintenant. Mazo brada, man le brada las, malo bronze, brade levao, maso calabashe.
Je te rends toute la gloire. Je te rends tout l'honneur. Je te rends toute la louange. Et je te rends l'élévation éternelle ce soir. Seigneur, je prie maintenant pour ta parole qui va être libérée. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'elle soit libérée avec puissance, qu'elle soit libérée avec autorité, Seigneur notre Dieu. Que ton règne se manifeste éternel au milieu de nous. Tel est le cri du cœur, Père, de ton serviteur. Je crois, ô éternel, que tu es tellement bon que nous allons être surpris encore par ta fidélité et l'activité, Seigneur, de ta puissance. Je te loue, Seigneur. Je m'incline, éternel, devant ta face, comme à chaque fois, ô Dieu, que tu m'accordes la possibilité d'annoncer ta parole. Seigneur, je fléchis les genoux devant le Père de gloire, devant le Père des esprits, celui éternel dont toutes choses lui sont soumises. Et je prie dans le nom de Jésus que ta parole soit dans la bouche de ton serviteur et que ta grâce se manifeste avec puissance et que ton peuple soit transformé radicalement. Change-moi, touche-moi et touche ton peuple éternel. Merci pour ton esprit qui inspire maintenant ton serviteur. Merci pour l'esprit de révélation. Merci pour l'épée de ta parole qui vient ôter, briser, détruire tout ce qui n'est pas de toi et donner accès éternel à la connaissance, à la puissance et à la révélation. Je te rends toute la gloire, l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un me dise un amen bien vivant et bien puissant. Alléluia. Que quelqu'un me dise un amen bien vivant et un amen bien puissant. Et nous allons vraiment commencer le thème aujourd'hui. Je crois que Dieu va nous bénir, n'est-ce pas? Amen. Oui, fais-moi un amen vivant et je commence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est vrai que je n'avais pas planifié cet enseignement-là, mais dans la journée, j'ai vraiment eu à cœur de partager sur certains points et d'aussi apporter de la clarté sur d'autres points. Je vais essayer vraiment d'être concis. Et peut-être que le Seigneur, incessamment, nous permettra en fait de pouvoir davantage rentrer, peut-être plus en profondeur pour ne pas trop déborder. Je prie vraiment que Dieu nous aide, que Dieu puisse vraiment étendre sa main sur ces moments. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? J'ai l'impression que ça tourne un peu, ça, c'est bon? Parce qu'ici ça sort. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Parce que là, dans le visu que j'ai l'impression que ça surfe un petit peu. S'il vous plaît, faites-moi juste un signe, pasteur, c'est bon. Et comme ça, je peux avancer. Hein, c'est les aléas. C'est bon? Gloire à Dieu. C'est bon? Ah, gloire à Dieu. Merci. Merci. Ok. Oui, c'est flou quand même, mais ça va. Quelqu'un m'a dit c'est flou, mais ça va. Ok, je continue. Alors nous avons vu pas mal d'éléments depuis ce matin qui, je crois avec certitude, ça me dérange que l'image soit floue. C'est bon? C'est flou, 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 flou. Ouais. On va voir. Laissez mettre. Oui, c'est un petit peu flou. Je continue ou je refais un lien? Dites-moi. On continue? Je continue ou je refais un lien? Attends. Si on dit je continue. Ok. D'accord. Ok, je continue. Ok, parfait. Gloire à Dieu. Soyez vraiment bénis. Alors, depuis, je disais... Le Seigneur m'a vraiment conduit à ce qu'on puisse aborder certaines choses qui vont nous permettre en fait de pouvoir davantage avancer, progresser et aussi exceller dans le domaine de la société, mais aussi dans le domaine vraiment des finances. Vous savez, Dieu ne veut pas que nous puissions être pauvres ou ne veut pas que dans ce domaine-là, les enfants de Dieu ne puissent pas influencer. J'aimerais parler avec vous sur les activateurs des esprits de pauvreté. Ce qui active l'esprit de pauvreté. Amen.
ce qui active l'esprit de pauvreté, ce qui amène l'esprit de pauvreté dans la vie d'une personne. Et j'aimerais dire clairement ceci, que Dieu n'est pas en accord avec la pauvreté. Que la pauvreté est encore l'absence de ressources, l'absence de capacité, l'absence de compétences, l'absence de talent, l'absence de grâce. C'est ça la pauvreté. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu ne l'a pas créé pauvre. Lorsque vous voulez bien comprendre la pensée de Dieu, comment Dieu fonctionne, il est important pour nous de mettre notre regard sur le livre de Genèse. Parce que le livre de Genèse, c'est le livre en fait du commencement. C'est là où Dieu commence à présenter ses différents principes. C'est la pensée par excellence de Dieu avant même le péché. Parce que le péché, entre guillemets, a amené à ce que Dieu réajuste son plan, rétablisse son plan. Mais avant qu'il y ait défaillance, il y avait un plan qui était parfait, il y avait un plan qui était excellent. Et le plan de Dieu était vraiment excellent et super. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous, lorsqu'on veut comprendre la pensée de Dieu, il est important pour nous de repartir dans Genèse et de voir comment Dieu fonctionnait et de voir les informations que l'Éternel avait communiquées à son peuple. Alors c'est vrai que dans le domaine de l'enseignement, il y a des priorités. Il y a l'essentiel de l'enseignement qui est la nouvelle naissance, la transformation de notre caractère, notre manière d'aimer Dieu. Tout ça faut partir en fait de l'essentiel de l'enseignement. Mais l'essentiel de l'enseignement ne veut pas dire qu'il ne faut pas aborder le reste. Et le problème, c'est que souvent, on veut mettre l'accent sur la première dimension, le premier élément, et les deuxième éléments, en fait, on occulte, on met ça à côté. Or, Dieu veut qu'on soit équilibré, qu'on ait un enseignement complet. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un amen bien vivant. Dis-moi un amen bien vivant et je vais continuer. Amen. Que je voie un petit peu. Ok. Gloire à Dieu. Donc nous avons dit, si nous voulons connaître la pensée de Dieu, si nous voulons connaître le projet de Dieu, nous devons plonger notre regard dans Genèse, car Genèse, le commencement, va révéler le plan initial de notre Seigneur. Donc dans sa relation avec l'homme, mais aussi dans les capacités qu'il a données à l'homme. Quand il dit, Dieu bénit l'homme et la femme. Vous voyez déjà, il y a la bénédiction de Dieu qui est attachée à l'homme. Donc quand on dit, ah, on prêche la bénédiction, mais la bénédiction fait partie de quelque chose qui est attaché à notre identité. On ne peut pas dissocier la bénédiction de notre nature spirituelle. Et au commencement, c'était ainsi. Dieu bénit l'homme et la femme, il est dit, soyez féconds. En réalité, Dieu révèle que la bénédiction qui est attachée à notre vie, même de manière spirituelle, comme la Bible dit dans Éphésiens 1, verset 3, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Alléluia, dans les lieux célestes, d'une manière invisible, nous sommes bénis. Et cette bénédiction provoque quoi? Quelles sont les conséquences de cette bénédiction? C'est la fécondité, la multiplication, c'est le remplissage, c'est la conquête et c'est la domination. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire la bénédiction que nous avons a des conséquences. Il y a un but à la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis, il n'y a aucune bénédiction sans but. Si on dit qu'on est béni en Christ, cette bénédiction-là, il y a un but qui est attaché à cette bénédiction. Et ça, c'est important. Quand la Bible dit « Dieu bénit l'homme », à partir de cette bénédiction-là, la parole va être dira « Soyez féconds », ça veut dire « Soyez productifs », amener l'émergence aux choses qui n'existent pas encore, multiplier, c'est-à-dire augmenter la productivité, augmenter ce qui est excellent, et il dira multipliez-vous, c'est-à-dire augmenter ça et remplissez la terre. Il y a des endroits dans lesquels nous avons besoin de cette bénédiction et continuer à la dominer. Et toutes ces paroles qui sont sorties de l'Éternel découlent du fait que nous sommes bénis. Donc si je suis béni, je dois comprendre que la bénédiction, elle a un but. Le but de la bénédiction, c'est de nous rendre féconds. Lorsqu'il parle de la domination, quand il dit dominer, il parle non seulement de rester maître, de rester conquérant, mais c'est la domination dans tout le domaine. La domination sur le diable, la domination sur le péché, la domination sur la chair, la domination dans ce que Dieu a établi par rapport à notre vie. Et notre domination est tout le temps associé à notre vocation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une domination qui est générale, que Dieu a donnée à chacun d'entre nous, mais la domination, le fait de régner, de pouvoir opérer,
d'une manière conquérante et toujours associée à notre vocation. Et ça, c'est très important pour ne pas rentrer dans un esprit bien-aimé de compétition. Est-ce que tout le monde est avec moi? Le premier élément qui amène l'esprit de pauvreté, donc l'esprit qui a pour objectif d'aller étouffer les ressources dans notre vie, c'est la mentalité de pauvreté. Quand on dit que quelqu'un dise la mentalité de pauvreté, si vous avez une mentalité de pauvreté, vous n'allez pas bien aimer vous étendre. Vous n'allez jamais être productif. Vous n'allez jamais influencer. Et des fois, on peut avoir une mentalité de pauvreté. Et je répète encore, lorsque je suis en train de parler de pauvreté, là, maintenant, je ne parle pas du domaine financier simplement. La mentalité de pauvreté, c'est la pensée qui consiste à croire qu'il n'y a aucune ressource qui est attachée à notre vie. Nous n'avons aucun héritage. Et la mentalité de la pauvreté est le premier activateur de la pauvreté. Parce qu'en réalité, les pensées dictent nos actions. Les pensées influencent nos bouches, nos déclarations, et notre déclaration nous amène dans une destinée. Donc la première chose, bien aimé, c'est la mentalité de pauvreté. D'ailleurs, Paul le dira dans Romains 12, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est-à-dire, il y a un programme qui est attaché à votre vie, vous devez changer de programme et mettre un nouveau programme. Et le problème, c'est que lorsque nous naissons de nouveau, nous voulons opérer avec deux programmes. C'est comme dans un ordinateur, vous mettez deux antivirus. Alléluia, il va avoir un problème. Alléluia, il va avoir un problème. Il ne peut pas avoir deux programmes. Lorsqu'il y a deux programmes, il y a comme conflit, il y a comme opposition. Et il est important donc de pouvoir enlever un programme et de mettre un autre programme. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'excelle pas dans le domaine des ordinateurs et tout ça, mais ça, c'est une réalité. Et en vérité, nous sommes en Dieu, mais nous opérons souvent avec un autre programme. Le programme du passé est souvent influencé, bien aimé, par notre état naturel, l'absence de révélation de la divinité qui est attachée en nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je vais essayer d'être concis, mais vous voyez, c'est déjà des points qui sont très profonds. L'absence, la mentalité de la pauvreté, bien aimé, se manifeste par plusieurs choses. Des fois, vous pouvez avoir, Dieu peut vous bénir d'une manière, d'une manière financière, il vous bénit. Mais même si vous bénit, vous avez, exemple, la capacité de vous acheter les bonnes choses, vous allez toujours acheter les moins chères, toujours les choses moins bonnes, de moins bonne qualité. Alléluia, ça c'est une mentalité, bien aimé, de pauvreté. Et c'est quelque chose qui peut, ça peut devenir un réflexe. Parce qu'on a eu l'habitude, on a eu l'habitude, on a eu l'habitude. Amen. Dieu peut vous donner des capacités, des grâces pour opérer, des talents, mais vous allez toujours avoir cette pensée, ah, en fait, je n'ai pas forcément la force de faire ça. Je n'ai pas forcément la capacité d'aller jusqu'au bout. Parce que il y a le programme du passé qui influence encore votre vie et qui vous maintient dans cette mentalité, en fait, de pauvreté. Et la mentalité de pauvreté attire la pauvreté. Parce que votre action, vos réflexes, vos habitudes vont constamment vous, influencer par rapport à ça. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours chercher les trucs chers, les trucs classe. Je suis en train de vous parler d'une manière de penser, d'une manière de faire, d'une manière d'agir. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de parler d'une pensée invisible qui peut opérer dans votre vie. Vous savez, c'est comme la perception que nous avons de la simplicité. La perception que nous avons de la simplicité, elle est totalement erronée au niveau des hommes et au niveau même de l'Église. On pense que la simplicité, ce n'est pas d'avoir des bonnes choses. Oh, c'est faux. Tu peux être simple et avoir des bonnes choses. Et tu peux ne pas avoir des bonnes choses et ne pas être simple. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça aussi, pour nous, c'est important de renouveler notre intelligence par rapport à ça. Aujourd'hui, je vais prêcher, exemple, je vais prêcher un message sans costard, sans cravate. On va dire, ah, c'est un pasteur qui est simple. Mais je ne vois pas comment la cravate détermine si je suis simple ou pas. La simplicité est souvent associée à l'attitude que je peux avoir. Je ne vais pas avoir une bonne cravate, je peux avoir beaucoup d'argent et être auprès des gens, parler correctement avec les gens, simplement, et les gens sont bénis. Alléluia. C'est comme ça que la simplicité se définit. La simplicité ne se définit pas parce qu'on a. La simplicité se définit par les attitudes qu'on manifeste. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, la simplicité ne se définit pas par rapport aux choses qu'on a. La simplicité se manifeste par l'attitude qu'on manifeste, le caractère qu'on peut développer. Est-ce que quelqu'un me suit?
Amen. Et ça, c'est très important pour nous parce que je vous assure, un jour, j'ai fait un test. J'ai commencé à me poser des questions sur deux photos. Et la première réaction des gens, c'était de dire, bah, celui qui marche à pied est plus simple que celui qui est dans la voiture. Ah, et celui qui a une bonne voiture. Or, celui qui marche à pied, peut-être qu'il marche à pied parce qu'on lui a pas donné la voiture. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et si on lui avait donné la voiture, il serait dans la voiture. Vous voyez, c'est cette perception-là, dans nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut changer cette mentalité. Alléluia. Et des fois, c'est une mentalité de pauvreté attachée à une mentalité de simplicité. Mais cette pensée-là découle de l'héritage du catholicisme. Amen. Ça découle en fait de ça, parce que nous avons une tendance à associer, bien aimé, le service des prêtres à la pauvreté. Et ça, c'est vraiment ancré. Alléluia. Donc, on pense être simple, c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la première chose, tu dois te débarrasser de la mentalité de pauvreté. Et pour te débarrasser de la mentalité de pauvreté, tu dois être conscient de ta nature divine. Ta nature divine. Que quelqu'un dise la nature divine. Que quelqu'un dise j'ai la nature divine. Oh, bien aimé, j'ai trop de choses à dire. Je suis simplement au premier point. Amen. J'ai la nature divine. J'ai la nature divine. J'ai la nature divine. Ce n'est pas la religion, j'ai la nature. La Bible dit dans le livre de Pierre, vous êtes participant de la nature divine. Vous participez à la divinité. Alléluia. Je suis participant de la nature divine. Ça veut dire, bien aimé, qu'il y a du divin en moi. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit habite. Donc, j'ai de la divinité en moi. Et si je suis conscient que j'ai de la divinité en moi, et si je suis conscient aussi de l'héritage qui est attaché à ma destinée, l'héritage qui est attaché à ma destinée, ce que j'ai reçu en Jésus-Christ, le prix qu'il a payé sur la croix, l'héritage que j'ai en lui, je dois sortir de cette mentalité bien-aimée de pauvreté qui a été introduite par le diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Cette mentalité, nous la voyons directe dans Genèse. Adam et Ève ont péché, tout de suite ils ont perdu une gloire et ils ont commencé à se faire, un vêtement avec, des feuilles. Est-ce que quelqu'un me suit? La mentalité de pauvreté. Or, lorsque Adam et Ève étaient en connexion avec Dieu, bien aimé, ils étaient parfaits. Ils avaient besoin de rien. Là, ils ont cherché à avoir quelque chose. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien. Ça, c'est la mentalité, en fait, de pauvreté, mais qui découle du péché et qui découle, bien aimé, en fait, de l'activité, en fait, de l'ennemi. Et si nous voulons, bien aimé, renverser, bien aimé, les choses qui amènent à un esprit de pauvreté, c'est d'abord dans notre mentalité. Amen. Donc, j'explique les choses, et en expliquant les choses, je donne aussi des remèdes surnaturels pour nos vies. Si quelqu'un est avec moi, que quelqu'un me dise, « Pasteur, on te suit. » Que quelqu'un dise, pasteur, on te suit. Quelqu'un dise, pasteur, on te suit. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous avons dit, mentalité de pauvreté. Que quelqu'un dise, je refuse la mentalité de pauvreté. Je me déconnecte de la mentalité de pauvreté. J'adhère à la mentalité du royaume, celle de Dieu. La deuxième chose qui amène, bien aimé, l'esprit de pauvreté, se trouve dans Marc 4, 11 à 20. Marc 4, 11 à 20. Je ne vais pas lire pour qu'on gagne du temps, parce que je vois que le temps il commence déjà à avancer. Il faut que je condense absolument. Marc 4, 11 à 20 nous dit ceci, qu'il y a plusieurs terres, et vous allez voir que le semeur va semer plusieurs graines. Et partout où il va semer, il ne va pas récolter. La deuxième chose qui attire l'esprit de pauvreté, c'est la mauvaise terre, les mauvais investissements. À chaque fois que tu investis quelque part où Dieu ne t'a pas dit d'investir, tu attires l'esprit de pauvreté. Regardez, cet homme a semé 4, mais il a perdu 3 fois. Et des fois, bien aimé, il y a des choses comme ça où nous n'allons pas avoir la bonne terre, nous n'allons pas avoir les bonnes personnes. Nous n'allons pas avoir les bonnes relations. Nous n'allons pas avoir les bonnes situations.
et on est là sur les mauvais terres, et on est en train de se poser des questions, pourquoi on n'est pas en train de prospérer. Le problème, ce n'est même pas la semence, le problème, c'est la terre. Et j'aimerais te poser ta question, où est-ce que tu investis ton énergie, tes talents, tes capacités, tes ressources, l'héritage que Dieu t'a donné? Est-ce que tu le donnes au bon endroit, au bon lieu? Parce que la mauvaise terre amènera la pauvreté, en fait, dans ta vie. Amen. Et tu peux rester pendant des années en train de semer dans la mauvaise terre et te poser des questions, te demander si Dieu existe encore ou sa parole est la vérité. Mais la réalité n'est pas le problème Dieu. La réalité, c'est la terre. Amen. Vous voyez, le semeur, il a découvert la quatrième terre. Lorsqu'il a découvert la bonne terre, cette bonne terre-là a été productive. Alléluia. Et des fois, vous pouvez semer un an, deux ans, trois ans. Première année, mauvaise terre. Ah, vous perdez. Deuxième année, mauvaise terre encore. Troisième année, mauvaise terre là. Et pendant ces trois ans, vous êtes en train d'accuser Dieu. Or, le problème, c'est que vous n'avez pas encore identifié la bonne terre. Et lorsque tu découvres la bonne terre, tu vas commencer à prospérer, tu vas commencer à augmenter, tu vas commencer, bien aimé, à attirer, bien aimé, les richesses et les faveurs de Dieu. Donc, identifier les terres, c'est important. Investir dans la mauvaise terre amène un esprit bien-aimé de pauvreté et d'absence de ressources. Je vais influencer mon monde. La Bible dit que vous puissiez être la lumière du monde. Mais pour être la lumière du monde, j'ai besoin, bien-aimé, de semer et d'investir dans la bonne terre. Si je n'investis pas dans la bonne terre, je vais attirer l'esprit de pauvreté. Plusieurs personnes ont échoué dans les affaires, dans le travail, parce que soit ils ont semé dans la mauvaise terre, soit ils ont évolué avec les mauvaises personnes, les mauvaises collaborations, et ces mauvaises collaborations les ont ruinées, les ont fait perdre du temps. Amen. Vous savez, quand on a l'esprit de pauvreté, c'est aussi, bien aimé, perdre du temps. Donner des efforts et ne pas récolter, c'est la mauvaise terre. Que quelqu'un dise la mauvaise terre. Ça va? Est-ce que quelqu'un me suit? Hein, la mauvaise terre. Je ne dois pas investir dans la mauvaise terre. Et j'ai besoin du discernement. Voilà pourquoi, dans tout ce que je fais, tout investissement que je dois avoir une dimension où, bien sûr, je suis en communion avec Dieu, connecté à Dieu, et je fais confiance aussi au Seigneur. Et je dois tout faire pour ne pas implanter dans la mauvaise terre. Ça va? Est-ce que je peux avancer? C'est bon? Gloire à Dieu. La troisième chose qui amène l'esprit de pauvreté. La Bible dit ceci. La Bible dit quelque chose d'important dans le livre de Proverbes 13, verset 4. Vous lirez aussi Matthieu 25, verset 26. On va même prendre, je vais prendre juste un passage. Proverbes 6, verset 9. Proverbes 6, verset 9, il dira ceci. Par le ciel, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un peu, un petit moment. Tu restes un peu étendu en croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. N'hésitez pas de pouvoir, je vais encore partager. Il dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux prendre un peu de sommeil, t'assoupir un petit moment et tu restes un peu étendu en croisant les bras pendant ce temps. La Bible dit, pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Amen. Ça veut dire lorsque, bien aimé, nous sommes en train simplement d'opérer, nous sommes paresseux. La paresse, c'est lorsque vous ne voulez pas faire d'efforts. C'est le comportement de quelqu'un qui répugne l'effort, quelqu'un qui ne veut pas travailler, quelqu'un qui n'a pas goût à l'activité, quelqu'un qui est oisif, quelqu'un qui, manque d'énergie, d'action. Il est tout le temps en train de dire « Ah, je suis fatigué, je ferai ça demain ». Il y a aussi une dimension de procrastination dans la paresse. Et lorsqu'on est paresseux, il est impossible pour nous, bien-aimés, de prospérer et d'influencer dans le domaine de la sociétale. Alléluia. Et le problème, c'est que souvent, on est nonchalant. Il y a des choses que tu ne réussis pas. Pas parce que tu es fatigué, mais c'est parce que tu es paresseux. Et l'Éternel dit ceci, que la paresse amène la pauvreté à influencer en fait nos vies. Regardez. Donc, dès que Dieu a établi Adam dans le jardin d'Éden, l'une des premières choses qu'il a dit, c'est garde et cultive. C'est-à-dire, ne sois pas paresseux. Or, il avait tout. Il pouvait manger comme il voulait. Il y avait des fruits, il y avait plein de choses qui étaient là. Il pouvait rester tranquille. Non, 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 non.
Il devait garder, il devait cultiver, il devait protéger, il devait cultiver. Cultiver veut dire entretenir, rendre meilleur, améliorer. Et il devait donc améliorer, rendre meilleur en fait. Donc il était déjà dans une dynamique de quelqu'un qui est actif et non dans la dynamique de quelqu'un qui est paresseux. Est-ce que quelqu'un est avec moi cet après-midi? Et lorsqu'on est paresseux, la paresse va activer, bien aimé, l'esprit de pauvreté. Amen. Beaucoup de gens ne prospèrent pas dans la vie, n'avancent pas dans la vie parce qu'en réalité, il y a de la paresse. Et derrière la paresse, on ne peut pas opérer, expérimenter pleinement les ressources qui sont attachées à notre vie. Et j'aimerais déclarer à quelqu'un qui est peut-être paresseux, dans le nom de Jésus-Christ, sors de cette paresse. Et ce n'est pas parce que tu travailles que tu n'es pas aussi paresseux. Alléluia. Parce que la paresse peut être associée à la comparaison des choses qui sont attachées à notre vie. Et nous rentrerons davantage en profondeur par rapport à ça. Parce que tu peux avoir beaucoup de compétences et rester paresseux. Là, j'ai touché un point intéressant. Amen. Parce que tu peux faire des domaines, il y a des gens qui font le minimum alors qu'ils sont pleins de talent. Il y a des gens qui font le minimum alors qu'ils ont plusieurs compétences. Il y a des gens qui font le minimum alors qu'ils ont une grâce exceptionnelle. Voyez, Dieu dans Matthieu 25, verset 26, il dira quand il a donné plusieurs talents aux gens, il donne des talents pour que les talents puissent se fructifier. Et chacun selon son niveau, chacun selon ses compétences, chacun selon sa vocation. Et la Bible dit qu'il y en a un qui va cacher. Il va cacher, il ne va pas perdre, il va cacher. Il va cacher ce que Dieu lui avait donné. Il ne va pas le perdre. Il va cacher. Amen. Et lorsqu'il va le ramener, le Seigneur dira, son maître lui répondit dans Matthieu 25, verset 26, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, ou que j'amasse ce que je n'ai pas vanné. » Il dira, « Méchant serviteur. » Amen. Et pour dire que si celui qui avait 5 talents était revenu avec 5, il allait avoir des problèmes. Pourtant, 5, c'est beaucoup. Amen. Il allait lui dire aussi paresseux, pourtant il y avait quand même 5. S'il était venu avec 1, on dit oui, pas mal. Mais ce n'est pas là où tu devais aller. Et des fois, il y a des gens, ils savent qu'ils sont tellement conscients, qu'ils sont tellement talentueux, qu'ils ne veulent pas aller plus loin. Et le problème, c'est avec le temps, vous activez quand même un esprit de paresse. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça va? Amen. Dites-moi un amen vivant que je vois des gens actifs pendant que je suis en train de prêcher. Alléluia. Soyez actifs. Amen. Pendant le message. Donc j'ai dit ceci que, voilà, l'esprit de paresse active la pauvreté dans notre vie, l'absence de ressources, l'absence de moyens. Et nous devons faire vraiment attention. Et la paresse ne doit pas se mesurer simplement lorsque on n'a rien, mais ça doit se mesurer aussi en fonction des compétences que nous avons. C'est une perception qui est liée aussi à la paresse. Ce n'est pas simplement parce que tu travailles, parce que tu es actif dans un domaine, que tu n'es pas forcément paresseux. Parce que tu peux faire des choses parce que tu es dans l'obligation. Or, tu as plusieurs ressources dans lesquelles tu peux te déployer, mais tu restes simplement dans ce domaine-là. La quatrième chose, et je vais aller plus vite, c'est la Bible dit dans Proverbes 11, verset 24. La Bible dit, « Tel qui donne libéralement devient plus riche. » Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Là, il dit que, en fait, l'épargne à l'excès va te conduire constamment à t'appauvrir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça, c'est important aussi de le comprendre. Nous allons voir tout à l'heure que l'épargne, c'est bien. Mais épargner à l'excès, c'est comme il y a des gens, ce sont des vrais radins. Alléluia. Ils épargnent tout, ils épargnent les gâteaux. C'est-à-dire, ils mettent de côté. Alléluia. En fait, ils mettent tout de côté. Amen. Tu as 10 euros, tu épargnes 9. La Bible dit en faisant ça, alors que tu penses que tu es en train d'amasser, alors que tu penses que tu es en train d'être productif, mais en réalité, tu es en train de t'appauvrir. Moi, je prends la parole de Dieu. Je ne crois pas en ce que le monde dit. Ma mentalité est influencée par le système bien-aimé de la parole de Dieu et pas celui du monde. Et la Bible dit ici, celui qui parle et parle à l'excès. Tout ce qui est excès de manière est dangereux. La Bible dit même, ne sois pas sage à l'excès. Amen. Donc il y a même une dimension de sagesse qui n'est pas bonne. Tout ce qui est dans l'extrémité n'est pas en fait du tout bon. Ne va pas nous permettre en fait d'exceller. Il y a des gens qui sont trop à l'excès. Il ne faut pas être dans les extrémités. Amen. Il faut être équilibré. Et là, la Bible dit, celui qui épargne à l'excès, s'appauvrit. C'est-à-dire, derrière l'épargne à l'excès, il y a un esprit de pauvreté qui arrive.
Oh Seigneur, délivre-moi de l'épargne à l'excès. Alors que j'avais l'habitude de le faire, délivre-moi de l'épargne à l'excès. Donne-moi cette mentalité qui consiste effectivement à épargner, mais pas à l'excès. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que les gens de là-bas, les gens d'Amiens, les gens de Lorient sont présents ce soir? Les gens de Rennes, de Nantes, d'un peu partout. Parce que normalement, on peut être là, on est présent et c'est important qu'on puisse écouter. Alors, vous savez, les enseignements sont des accélérateurs. Des fois, ça nous fait gagner du temps, nous, en tant que pasteur. Les apôtres ne faisaient pas forcément des entretiens, mais dans la parole, il y avait une contenance importante. Il y avait l'esprit prophétique qui permettait aux gens de résoudre leurs problèmes d'une manière surnaturelle. Donc, ils n'avaient pas à faire des entretiens comme un temps, parce que la parole suffisait à déclencher des situations. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'entretiens parce que soit on est devenu familier avec la parole, on n'a pas la compréhension que tout est à l'intérieur. Et pendant que je suis en train de prêcher, vous allez voir, si vous avez soif du Seigneur, il y a des choses qui sont associées à votre vie, dont vous recherchez peut-être des informations, vous allez les recevoir. Et vous allez commencer à opérer et exceller. Et pour ça, il ne faut pas avoir un cœur vraiment... Il faut comprendre que dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Amen. Donc, je n'épargne pas l'excès. Je vais faire attention à l'excès parce que derrière l'excès, il y a la pauvreté. Amen. La deuxième chose, c'est l'argent rapide. Que quelqu'un dise l'argent rapide. Tu sais, l'argent rapide, c'est dangereux. L'argent rapide, c'est très dangereux. Et des fois, on va avoir l'argent, le loto. Souvent, les gens disent, mais pasteur, pourquoi on n'a pas le droit de jouer au loto? Alléluia. Déjà, le loto est un jeu de hasard. Ça, c'est la première chose. Et Dieu n'opère pas avec le hasard. La deuxième chose, c'est que Dieu nous a demandé, en fait, de travailler pour avoir de l'argent. Alléluia. Et derrière, en fait, les gagnottes comme ça, vous gagnez sans travailler. Amen. La Bible dit, l'argent de l'argent par la sueur de ton front. Et des fois, l'argent, rapidement, est aussi très dangereux. Et il faut faire aussi attention à ça. Il faut vraiment être équilibré. Et la Bible le dit. Ça peut être aussi, un activateur de pauvreté. La Bible dit, dans Proverbe 13, verset 11, la Bible dit, la richesse trop vite acquise disparaît vite. Celui qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. Proverbe 11, verset 13. C'est un enseignement qui n'était pas prévu. Je l'ai fait entre deux, cet enseignement-là. Amen. Voilà, c'est vraiment un enseignement que j'ai travaillé tout à l'heure. Je n'avais pas prévu de l'enseigner et je sais que Dieu veut nous bénir au travers de ça. Amen. Vous voulez absolument, en fait, qu'on a le travail, le fond, lorsqu'on veut les choses trop rapidement. Il dit, la richesse trop vite acquise disparaît vite. Si ça disparaît vite, ça veut dire, en fait, qu'il y a un esprit de pauvreté qui agit, en fait, derrière. Il y a un esprit de pauvreté qui influence, en fait, derrière pour faire disparaître ces choses-là. Lorsque vous faites des études même sur les personnes qui ont gagné au loto, plusieurs, en fait, finissent même ruinés. Alors, il y a plusieurs raisons. Un, c'est vrai que c'est des richesses acquises rapidement. Mais la deuxième chose, c'est que si vous avez les finances et vous n'avez pas la mentalité, vous n'allez pas réussir. C'est la sagesse qui est beaucoup plus puissante et grande que, bien aimé, les richesses. La Bible dit, cherche la sagesse plus que l'or et l'argent. Vous pouvez avoir plusieurs choses, investir dans plusieurs domaines si vous n'avez pas la sagesse. Vous n'allez pas être capable de garder, en fait, cet argent. Donner de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de sagesse ou quelqu'un qui a un esprit de pauvreté, il va dilapider ça. Alléluia. Il va dilapider cet argent-là. Et les gens vont comprendre, vont dire, ah, c'est la sorcellerie qui est à l'intérieur de lui. Non, parce qu'il n'a pas été préparé. Sa mentalité n'est pas prête. Il n'a pas la sagesse surnaturelle pour gérer, en fait, ses finances. Et le problème, des fois, il est là. Et des fois, Dieu empêche une certaine bénédiction associée à notre vie à cause de l'absence de sagesse qui est attachée à notre identité. Dieu ne donne pas ses ressources à tout le monde. Souvent, il donne lorsqu'il voit certains cœurs et certaines dispositions. Alors, il libère, la grâce des ressources, la grâce financière par rapport aussi à l'esprit de sagesse et la mentalité qui peut être attachée à notre identité. Est-ce que Christ refuge pour tous, vous m'entendez? Et nous sommes en train de parler des choses tellement importantes. Amen. Et la Bible dit oui, les richesses trop vite acquises disparaissent. Toute forme de richesse. Lorsqu'ici on parle de richesse, on ne parle pas forcément de simplement d'argent. Toute sorte de richesse acquise rapidement.
C'est pour ça les gens qui sont là, les dealers et toutes ces choses-là, bien aimés, ils attirent un esprit de pauvreté. Alléluia. L'esprit de pauvreté va affecter dans plusieurs domaines. Ça peut être des maladies dans la famille, des choses comme ça, très bizarres qui arrivent, qui amènent simplement de la pauvreté. Mais la Bible dit, celle qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. Et là, on voit une dimension, un processus, bien aimé, d'augmentation qui est attaché à ça. Parce que c'est pareil, hein. Il y a un processus dans les finances, dans la croissance financière, ça aussi c'est important. Je ne pourrais pas le prêcher tout à l'heure, donc je donne simplement cette information. La richesse de Jacob était progressive. La Bible dit que l'avance changeait ses finances chaque moment. Mais à un moment donné, il a prospéré. Ça veut dire que Dieu aussi nous amène des étapes en étapes, d'étapes en étapes. Parce qu'il sait qu'on a besoin d'être construit. Lorsque Dieu a amené à ce qu'Adam vienne au monde, Adam était déjà grand. Vous imaginez, il arrive au monde, il cherche déjà une femme. On n'a jamais vu ça. Hein. Il arrive au monde, il est créé, il cherche déjà une femme. C'est pas possible. Amen. Quelqu'un qui vient de naître ne peut pas chercher une femme. Ne peut pas chercher à épouser quelqu'un. Adam, il vient, il cherche déjà une femme. Amen. Et il a échoué. Il a échoué face au diable. Donc Dieu a dit, maintenant, je veux développer un autre processus. Il est important que les gens comprennent le processus de la croissance. Tout ce qui naît doit grandir progressivement. Donc Jésus est venu sous la forme d'un homme, petit enfant, et il a grandi rapidement. Amen. Il n'est pas arrivé directement, j'ai 30 ans, je suis barbu. Non. Amen. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un avec moi? Gloire à Dieu. La seconde chose, la sixième chose. La Bible dit dans Acte 20, verset 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Bien aimé, l'un des sixièmes choses, sixième attitude qui amène l'esprit de pauvreté, c'est lorsque c'est l'esprit d'assistanat abusif. C'est-à-dire lorsque les gens vous assistent, mais que ça soit abusé. Assister les gens font partie de notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons nous soutenir, nous devons nous encourager les uns les autres. Amen. C'est ce que la Bible dit, les uns les autres. Donc on doit nous encourager, on doit vraiment s'encourager. Mais il est important de comprendre que lorsqu'on rentre constamment dans une mentalité où on ne fait que recevoir, on attire un esprit de pauvreté. La Bible dit, celui qui donne est plus grand que celui qui reçoit. On a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça veut dire qu'il y a un plaisir qu'on obtient, et là je n'irai même pas dans le grec, qui est différent de celui qu'on reçoit. Et lorsqu'on rentre trop dans une mentalité, bien aimée, d'assistanat abusif, bien aimé, on ne va pas prospérer. Alors, tout ce que nous avons pu parler ce matin sur les aides, c'est bien. Nous bénissons le Seigneur par rapport à ça. Mais ce sont des choses de transition. Alléluia. Nous ne devons pas dire on veut vivre dans ça. Parce que vivre dans ça, c'est d'accepter un système qui va empêcher notre prospérité. C'est accepter un système qui va nous empêcher d'augmenter. C'est accepter un système qui va nous empêcher de s'élargir. C'est accepter un système qui ne va pas nous permettre de cultiver nos pensées vers ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, être assisté, mais d'une manière abusive, est dangereux. Amen. Si je suis assisté, je dois tout faire aussi pour assister les autres. Mais jamais être dans une situation où, en fait, il n'y a que moi qui assiste et moi, je ne fais jamais le pas vers l'extérieur. Je ne vais jamais aider les gens vers l'extérieur. Ça, c'est dangereux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux être assisté, c'est bien être encouragé. Et on a besoin d'être encouragé. Il y a des phases, il y a des temps de notre saison. On a besoin que quelqu'un nous tienne la main pour aller plus loin. Et on bénit le Seigneur pour cette main tendue qu'il nous donne, pour nous amener plus loin. Alléluia. Mais ça ne peut pas être le cas de figure dans toute notre vie. Lorsque ce boiteux était là dans Acte 3, la Bible dit, il dira ceci, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner, mais tout ce que je demande, Jésus-Christ est toi. En fait, il voulait sortir cet homme de ce système d'assistanat qu'il avait. On le mettait au bord du chemin tout le temps, en fait. Et tout le monde savait qu'il fallait lui donner quelque chose. Et lui, il savait aussi qu'il devait recevoir. Amen. Et il a été rendu captif comme ça pendant des années à cause de la mentalité d'assistanat. Et les gens qui passaient ne l'aidaient pas à sortir de là, mais le maintenaient dans cette situation. J'aimerais vous dire une chose. La société
société ne vous aidera pas à sortir de cette situation. Alléluia. Vous devez avoir l'attitude et le désir de dire, ok, on m'a donné, c'est vrai, le monde, on m'a donné un peu, mais je dois sortir. Lorsqu'il a reçu sa guérison dans le nom de Jésus, la Bible dit qu'il est, non seulement il a sauté, mais il a loué Dieu. Remarquez une chose. Avant, il recevait l'argent, il ne le louait pas. Avant, il recevait l'argent, il n'était pas heureux. Avant, il recevait de l'argent tout le temps, il n'était pas content. Mais lorsqu'il a reçu sa guérison, bien aimé, sa joie a été aussi attachée à l'expérience qu'il a eue. Lorsque les chaînes, le système de la cistana a été brisé, une certaine joie exceptionnelle a commencé à se manifester dans sa vie. Alléluia. La Bible nous a jamais dit à aucun moment qu'à chaque fois qu'on lui donnait l'argent, il était joyeux. Non. La Bible dit par contre, lorsqu'il a reçu sa guérison divine, lorsqu'il a été restauré, bien aimé, c'est là que sa joie a été grande. Et ta joie sera grande lorsque tu sortiras des différents systèmes. Lorsque tu sortiras de cette mentalité en fait d'assistana, c'est lui qui sautait et les gens louaient maintenant Dieu à cause de lui. Il était devenu, bien aimé, une source qui avait pour objectif amener la joie dans le cœur des gens. Alléluia. C'est lui-même qui a amené la joie. Et il a amené la joie pourquoi en sortant du système. Lorsque tu sortiras du système de l'assistana, tu verras que tu amèneras les gens en fait dans la joie. Donc, il faut bien dans notre tête dire le système d'assistana, je le renverse. Merci Seigneur pour les gens qui m'aident. Merci Seigneur pour la saison où pendant que moi aussi je cherche aussi à aider les gens et à partir de là, je vais m'épanouir plutôt que de rester. La Bible dit que ce boîtier s'attendait de recevoir quelque chose d'eux. Et lui, il attendait quoi? L'argent. Pourquoi? Mentalité comme ça. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que ça va? Dites-moi un amen vivant, parce que j'ai vu quelqu'un dire la connexion. Ok, c'est bon, gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Est-ce que nous sommes bénis? Ça va? Ok. D'accord. La septième chose étant la puissance d'amener l'esprit de pauvreté. Amen. Je vous dis les choses pour que vous puissiez faire le contraire, mais identifier l'esprit de pauvreté. La septième chose, c'est les faux enseignements. Les faux enseignements. Alors, je vais réajuster quelque chose qui, pour moi, est important. Je vais parler de deux faux enseignements qu'il faut identifier pour ne pas activer l'esprit de pauvreté. La première chose, c'est la perception, l'enseignement associé au contentement. Amen. Alléluia. L'enseignement associé au contentement. Le contentement, ce n'est pas l'absence de désir de progresser. Que quelqu'un dise, le contentement, ce n'est pas l'absence de désir de progresser. Le contentement, ce n'est pas l'absence de prospérité ou le désir en fait de prospérer. Le contentement, c'est lorsqu'il y a des fois, bien aimé, une mauvaise compréhension en fait du contentement. Lorsque le message du contentement est mal compris, mal communiqué, ce message-là peut nous conduire à croire que Dieu est figé dans les ressources qu'il a mis à la disposition dans nos vies. Lorsque cette perception, ce message est mal communiqué, ce message peut nous donner de croire que, en réalité, Dieu est figé dans les ressources qu'il a établi pour nous. Alléluia, ça veut dire, j'ai ça, ça suffit, Dieu n'a pas plus pour moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. C'est pour ça que ça doit être bien. La réalité, c'est que le contentement, c'est de nous aligner. Amen. Je dis bien, le contentement, c'est de nous donner, de nous aligner aux réalités de Dieu liées à notre saison. Amen. C'est-à-dire, tu restes avec ce que Dieu te donne par rapport à la saison dans laquelle tu es. Parce que la vie chrétienne est une vie associée à plusieurs saisons. Et dans chaque saison, il y a une provision. Alléluia. Et nous devons adhérer à cette provision-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Paul dit, j'ai appris dans l'abondance, j'ai appris dans la diversité. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs saisons dans lesquelles je suis rentré. Mais dans ces différentes saisons, ces saisons ne m'ont pas conduit à échouer.
Ces saisons n'ont pas affecté en fait ma vie. Ces saisons ne m'ont pas conduit à abandonner en fait le Seigneur. Le contentement, c'est accepter ce que Dieu nous donne dans la saison dans laquelle on est, mais en aucun cas l'absence de l'aspiration à prospérer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a quelque chose contre l'amour de l'argent, pas le désir de prospérer parce que, ou le désir de croissance, parce que la croissance est liée à notre ADN. Nous sommes une espèce en modification constante. Je dis, nous sommes une espèce qui est constamment en train de se en modification constante. David dit, nous sommes transformés à la même gloire de Jésus, de gloire en gloire. À chaque fois que nous regardons le Seigneur, nous sommes transformés à la même image que lui dans tous les domaines. En sainteté, en foi, en puissance, en intégrité, en paix, en joie. Notre image est constamment transformée par rapport à ce qu'on voit. Nous sommes une espèce en constante modification. Amen. Ça veut dire que Dieu a constamment des ressources pour nous. Maintenant, il est important pour nous de pouvoir discerner dans quel type de saison je suis. C'est-à-dire, si aujourd'hui je manque quelque chose, je ne suis pas en train d'insulter Dieu. Mais l'Esprit de Dieu en moi, l'héritage que j'ai en moi, la divinité qui est en moi, bien aimé, ne va pas me conduire à murmurer devant le Seigneur. Il y a des saisons, je vais vous dire, où vous aurez des miettes, mais les miettes seront votre miracle. Je dis, il y a des saisons où tu n'auras pas le pain. Tu auras les miettes. Vous voyez la femme cananéenne. La saison dans laquelle elle était, elle a reçu les miettes. Mais lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité, elle avait droit au pain. Alléluia. Parce que Jésus était venu pour les Juifs et pas pour les païens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais lorsqu'il est mort à la croix, il est venu maintenant pour l'humanité et plus pour Israël. Ça veut dire toutes les personnes pouvaient accéder au pain. Alléluia. Alors que quand elle est venue vers Jésus, Jésus dit, le pain a été donné pour les enfants d'Israël et pas pour les chiens. Amen. Mais lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité sur la croix, bien aimée, elle est rentrée dans une saison où elle n'allait plus demander les miettes, mais elle avait droit au pain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ce que j'essaye de dire, c'est que des fois, la saison peut être les miettes. Mais si Dieu te donne des miettes, dans ces cas-là, tu bénis. Alléluia. Cette femme réclamait plus. Mais quand le Seigneur lui a donné les miettes, elle dit, ah, puisque c'est toi qui me donnes ces miettes-là, je l'accepte. Et parce qu'elle a accepté, elle a eu son miracle. Elle a eu ce qu'elle voulait au travers des miettes. Mais d'une manière visible, c'était compliqué. Alléluia. Dieu, avec 10 euros, 20 euros, 100 euros, en fonction de ta saison, il peut faire les choses d'une manière surnaturelle. C'est ça le contentement. C'est de comprendre qu'avec ces 200 euros, ces 500 euros, tu vas vivre ton miracle en fait. Et pas dire, Seigneur, en réalité, ah, je voulais, tu m'as donné que ça. Non, pas du tout. Parce que travers ces 500 euros, tu n'auras pas de panne de voiture, ton essence ne va pas diminuer, l'huile ne manquera pas, comme Élie au milieu de la famine, l'huile n'a pas, comment dire, été modifiée, l'huile a continué à couler, la farine n'a pas manqué. Alléluia, c'était sa saison. Et lorsque la saison de la famine est passée, il est passé autre chose. Donc le contentement est aussi associé à la saison, mais c'est surtout d'accepter ce que Dieu nous donne en fonction de notre vocation et notre saison. La vocation est très importante, je le redis encore, parce que nous avons tous un appel qui est différent. Donc on peut avoir aussi des challenges et des choses qui sont différentes. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que c'est bon? Amen. Donc le contentement, on le comprend, ce n'est pas l'absence de croissance, ce n'est pas l'absence de progression, ce n'est pas l'absence de prospérité, ce n'est pas l'absence que Dieu a des ressources figées à l'intérieur de nous, mais c'est simplement l'alignement de notre cœur, de notre esprit, à la saison que Dieu a définie par rapport à notre vie. Amen. C'est ça. Et lorsque je comprends, je ne vais pas échouer, je ne veux pas être bien aimé, énervé, parce que Dieu me donne ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Ça, non, c'est mon bonus. Alléluia. Mais je crois que Dieu veut que nous l'entendons, parce que Dieu veut, ôter, bien aimé, l'esprit de pauvreté et de nous donner de comprendre, bien aimé, des choses différentes. Alléluia. Donc, il y a l'enseignement sur le contentement, mais l'enseignement aussi lié au paradis. Alléluia. Que quelqu'un dise paradis. Que quelqu'un dise paradis. Alléluia. Le paradis, c'est quelque chose de bien. Et nous voulons aspirer au paradis, nous voulons aspirer à être connectés au Seigneur. Nous voulons être aspirés, bien aimés, à aller avec Dieu. Alléluia. Et ça, c'est bien.
Et je vous ai dit qu'il y a l'essentiel, mais dans l'essentiel, nous devons être équilibrés. Amen. Il y a des chants que nous chantons simplement qui sont des chants plus dangereux. Alléluia. Je me réjouirai quand j'irai au ciel. Je serai content quand j'irai au ciel. Oui, effectivement, quand j'irai au ciel, je serai content. Mais je veux bien être content ici. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des défis, je veux bien être content ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Mais je ne dois jamais oublier, bien-aimé, que effectivement ma patrie est au ciel. Je ne dois jamais l'oublier. Mais je dois comprendre, bien-aimé, que des fois, ce message et cette vision a rendu les gens paresseux. Les gens attendent que Jésus-Christ revienne les bras croisés, sans travailler, sans impacter leur environnement ou sans démontrer la puissance de Dieu. Je crois une chose, si Dieu ne voulait plus qu'on soit sur terre, les enfants ne naîtraient plus. Alléluia. Je pense que les enfants ne naîtraient plus. Mais tant que les enfants arrivent au monde encore jusqu'aujourd'hui, c'est que Dieu nous veut encore sur terre. Alléluia. Et tant que je ne meurs pas physiquement, c'est que Dieu nous veut encore sur terre. Et si Dieu me veut sur terre, c'est pour bien aimer briller. Alors briller, c'est plusieurs manières. Briller, ça ne veut pas dire forcément qu'on nous voit. Alléluia. Briller, c'est répondre à la vocation, au plan de Dieu par excellence. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et nous avons mal compris le concept de la vie éternelle. Nous avons mal compris le concept du paradis. Nous avons mal compris le concept, bien-aimé, de la vie éternelle en nous. Jean 17, la Bible dit, c'est Jésus qui dit. Il dit, après, Jean 17, 1, il dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et pria. Ô mon Père, le moment est venu. Fais apparaître la gloire de ton Fils. Pour qu'à son tour le Fils fasse connaître ta gloire. Et qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés, puisque tu lui as donné l'autorité sur l'humanité entière. Il dit qu'il donne la vie éternelle. Amen. Qu'il donne la vie éternelle, il dit. Qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés, puisque tu lui as donné l'autorité sur l'humanité. Au verset 3, il dit or, que quelqu'un dit or. Il dit or, la vie éternelle consiste pour les hommes à te connaître toi-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Dieu unique, véritable, celui qui a été envoyé de Christ. Amen. Et je veux aller plus loin. Certaines versions, c'est que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent ton nom. Qu'ils connaissent ton nom. Lorsqu'on parle de nom ici, on parle du caractère de Dieu. On parle des caractéristiques, en fait, de Dieu. Le nom dit qu'ils connaissent ton nom. On parle ici des caractéristiques de Dieu. Et les caractéristiques de Dieu, c'est quoi? C'est Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, c'est Jéhovah Sebaot, c'est Elohim, c'est El Shaddai, c'est l'Éternel qui combat, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui restaure, l'Éternel, tout ça fait partie en fait de son nom. Quand il dit la vie éternelle, c'est de connaître ton nom, c'est d'être un avec ton nom, un avec ton identité. Alléluia. Parce qu'en réalité, la vie éternelle, c'est la vie surnaturelle de Dieu. C'est une vie qui est sans limite. C'est une vie, bien-aimée, que nous ne recevons pas après la mort, mais c'est la vie surnaturelle, en fait, de Dieu. Alléluia, que nous devons manifester ici. Et il dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, de connaître ton identité. Amen. C'est là où Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Alléluia. C'est là où Jésus dit même, pour connaître la révélation qu'ils avaient de lui. C'est là où même Jésus dit, lorsqu'ils étaient dans la barque, lorsqu'ils étaient bien-aimés, il y avait le vent, il y avait la tempête, Jésus a dit ceci. Jésus a dit ceci en fait. Il leur a dit, les gens, lorsque Jésus-Christ a fait taire la tempête, la mer, ils ont dit ceci, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Ça veut dire que son nom définissait les ressources qu'il avait. Oh mon Dieu. Il dit, qui est cet homme qui fait taire le vent? Qui est cet homme qui parle à la tempête? Qui est cet homme qui arrête le tourbillon? Mais c'est qui cet homme? Alléluia. C'est quel est son nom? Parce que son nom nous révèle ce qu'il est en train de faire. Son nom nous révèle son action. Son nom nous révèle son attitude. Son nom nous révèle sa puissance. Son nom nous révèle, son pouvoir. Son nom nous révèle. Mais qui est cet homme? Et je lui dis dans Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Ils te connaissent pourquoi? Ils te connaissent pour qu'ils comprennent ton attitude, ta puissance, ton autorité, tout ce que tu es, le Dieu saint que tu es, le Dieu puissant que tu es, le Dieu pourvoyant.
ce que tu es. Qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, c'est ça la vie éternelle. Alléluia. C'est ça la vie illimitée qu'on a à l'intérieur de nous. Amen. Et ça, c'est très important pour nous. En fait, il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Sinon, il est impossible pour nous d'impacter maintenant et d'influencer. Nous allons attendre le retour de Jésus sans démontrer sa puissance, sans démontrer sa gloire. Alléluia. Donc nous devons avoir cette perception qui consiste à dire j'ai la vie éternelle, j'ai la vie illimitée, je connais son nom, parce que je connais son nom, je peux utiliser son nom. C'est qu'il te connaître, toi, le véritable Dieu. Mais qui il est? Les disciples ont dit qui tu es. Qui tu es? Vous savez, la présence de tout un chacun, là, ce soir, dans cet endroit, c'est parce que nous sommes connectés à un moment au nom du Seigneur, chacun d'une manière différente. Certains ont connu le Dieu de la consolation, certains ont connu le Dieu de la guérison, certains ont connu le Dieu de la restauration, certains ont connu le Dieu pourvoyeur, et tous ces différents noms nous ont donné aujourd'hui de, comment dire, recevoir le Seigneur, marcher avec lui. Et j'aimerais vous dire que le monde a besoin aussi d'entendre son nom. Alléluia. D'où l'importance de comprendre l'enseignement. Amen. Parce que le monde aussi se donnera au Seigneur à cause de ce nom-là, ce nom que nous avons expérimenté, ce nom que nous avons éternel vivre. Alléluia. Et des fois, il y a une fausse conception. Et vous savez, naturellement, des fois, on peut chanter des chants, et ces chants-là sont en train d'agir d'une manière subtile dans nos vies. Je crois que je ne ferai pas l'autre partie. Je crois que je le ferai la prochaine fois. Je ferai votre enseignement la prochaine fois. Il est déjà 19h47. Je vais rester sur cet enseignement. Vous voulez bien? Gloire à Dieu. Et des fois, bien aimé, il y a des chants que nous sommes en train de chanter. Il y a des proclamations que nous sommes en train de faire qui agissent subtilement dans nos pensées. Oh, je serai heureux en haut, en haut, en haut, en haut. Mon nom est écrit en haut. Oui, gloire à Dieu, notre nom est écrit en haut. Et nous bénissons le Seigneur. Nous devons faire attention à ce nom-là. Et nous bénissons le Seigneur que notre nom soit inscrit en haut. Il faut que notre nom soit inscrit en haut. Et effectivement, c'est l'essentiel, c'est le principal. Mais aussi sur terre, il faut que nous démontrons la puissance en fait de Dieu. Alléluia. Matthieu 10, au verset 27, la Bible dit, Jésus les regarda droit dans les yeux. Vous voyez, Jésus a regardé ses disciples droit dans les yeux. Et il dit, oui, c'est tout à fait impossible aux hommes, mais non pas à Dieu. Car à Dieu, tout est possible. Il dit au verset 28, alors Pierre lui fait remarquer, et nous alors, tu sais que nous allons tout laisser pour te suivre. Seigneur, j'ai tout laissé. J'ai laissé mon travail de footballeur. J'ai laissé mon salaire de footballeur. J'ai laissé ma famille parce que je suis persécuté. J'ai laissé des amis dans lesquels j'étais bien. J'ai abandonné. Pierre dit ça. Il dit, j'ai laissé mon entreprise, j'ai laissé là où je trichais en fait. Je trichais pour avoir de l'argent. Je trichais pour avoir l'argent rapide. Je trichais, je magouillais au niveau de la société. Et j'avais de l'argent facilement. Mais quand je t'ai suivi, j'ai laissé la ticherie. J'ai laissé des gens. J'ai laissé des choses dont j'avais volé. J'ai abandonné. Et toutes ces choses-là, j'ai abandonné ça, Jésus. J'ai abandonné ça. Alors Jésus dit au verset 29, il dit, c'est vrai, lui répondit Jésus, je vous le promets. Dis à quelqu'un, Jésus a promis. Oh, dis Jésus a promis. Dis Jésus a promis. Dis Jésus a promis. Il faut être équilibré. Jésus, il a promis. Jésus a promis. Dis, marche, Jésus a promis. Amen. Jésus a promis. Ah, la promesse de Dieu, c'est terrible. La promesse de Dieu, c'est terrible. Alléluia. Jésus a promis, c'est pas moi. Je ne lui ai pas demandé de me promettre. Il a promis. Quand il a promis à Pierre, il m'a promis aussi. Alléluia. Quand il a promis à Pierre, j'étais là aussi. Amen. Quand il a promis à Pierre, il m'a promis à moi aussi. Alléluia. Il dit, je te promets. Il le promet. Mais il le promet aux gens qui ont abandonné. Il le promet aux gens qui ont payé le prix. Il le promet aux gens qui ont décidé de le suivre. Il le promet aux gens qui ont décidé de lui faire confiance. Il le promet aux gens qui ont décidé de ne pas accepter le système du monde, ce que le monde propose, la corruption du monde.
Il le promet à toutes ces personnes-là qui ont décidé de ne pas tricher, qui ont décidé de ne pas voler leur patron, qui ont décidé de ne pas faire comme les autres le font, quand les autres sont en train de voler, quand les autres sont en train de tricher, lorsqu'ils doivent, comment dire, faire des rapports dans leur entreprise. Il le promet à ces personnes qui payent des taxes où les autres ne payent pas. Il dit, je vous promets à vous, vous qui avez payé le prix, vous qui marchez selon ma parole, vous qui ne marchez pas selon le système du monde, vous qui avez décidé de marcher selon la dignité du royaume de Dieu, vous qui avez décidé de ne pas flécher les genoux devant Baal, vous qui n'avez pas accepté de mentir pour avoir un travail, vous qui n'avez pas triché dans votre CV, vous qui avez décidé simplement de présenter les choses comme il faut, vous qui ne vous avez pas déguisé, vous, il dit vous là, vous qui avez fait ça, vous qui avez fonctionné comme ça, vous, je vous promets, alléluia. Oh mon Dieu, la parole de Dieu, elle est terrible. La parole de Dieu, elle est puissante. Il dit, je vous promets. Marie a dit, je vous promets. Il m'a dit, je te promets, apôtre. Je te promets. Je te promets, apôtre. Je te promets. J'ai vu comment tu as abandonné. Je te promets, je te promets. Je te promets. Il promet quoi? Je te promets, peuple de Dieu. Je te promets. Non. Bien-aimé, c'est une vérité. Il dit, c'est vrai, il répondit, je dis, je vous promets. Personne n'aura quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre à cause de moi et de la bonne nouvelle sans recevoir 100 fois plus à partir d'hier, à partir du ciel, à partir du paradis. Non, il dit à partir de maintenant, now. Alléluia, il dit now. Il dit pas à partir du ciel. Il dit pas à partir de... Non. Il dit pas à partir de... Il dit à partir de maintenant. Il dit quiconque aura laissé maison, aura laissé frère, sœur, mère, père, enfant. C'est lorsque tu te donnes au Dieu, lorsque tu fais de Dieu ta priorité, tu te donnes à lui pour la bonne nouvelle. Il est ta priorité. Des fois, c'est pas évident. Tu veux rester à la maison, mais tu décides d'aller prier. Tu décides d'accrocher au Seigneur. Tu décides de fonctionner comme il faut. Il dit non, il dit ma, là, à cause de tous ces gens, ayant fonctionné comme ça, il dit hey, maintenant, il dit pas non, il dit pas tu ne vas pas, il dit là, maintenant, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit ceci, il dit sans recevoir 100 fois plus à partir de maintenant, même pendant cette vie, il dit pendant cette vie, bien aimé, c'est la parole du Seigneur. Je crois que c'est la parole de Dieu. Je crois que Dieu est puissant. Je crois que Dieu est la vérité. Il n'a pas dit que c'était facile. Il n'a pas dit qu'on n'allait pas avoir de persécution. Mais il a dit que maintenant, c'est possible d'avoir 100 fois plus. Alléluia. Ce n'est pas un prédicateur de la prospérité qui parle. Ce n'est pas un marchand qui parle. Alléluia. Non. Il dit 100 fois plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc quand il parle encore comme ça, il parle en fonction de notre vocation. Il dit en réalité par rapport à ta vocation, il y a des choses que tu dois avoir. Tu l'auras au maximum. Tu l'auras au maximum. Alléluia. Il dit maintenant, est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et il dit, enfanter avec des persécutions. Alléluia. En surplus, il dit, tu auras les persécutions aussi. Et dans l'âge à venir et la vie éternelle. Il dit non seulement maintenant, mais après-demain, mais aussi à la vie éternelle. C'est-à-dire à la vie éternelle, tu auras des choses. Maintenant, tu auras aussi des choses. Et demain, tu auras aussi des choses. Et je vous assure, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, vous ne pourrez pas activer ces choses-là. Alléluia. Parce que c'est des choses qu'il faut connaître pour se l'approprier, pour l'avoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Amen. Il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant. Maintenant, ça veut dire pendant le Covid. Maintenant, ça veut dire pendant la crise. Maintenant, ça veut dire en 2020. Maintenant, ça veut dire au mois de novembre. Maintenant, ça veut dire au mois de décembre. Maintenant, ça veut dire aussi, bien aimé, cette année. Il dit maintenant. Maintenant, alléluia. Si tu ne crois pas, tu ne le verras pas. Alléluia. Et si tu ne crois, tu le verras. La Bible dit que Élisée a dit un jour, alors en temps de crise, il a dit à un homme ceci, demain à la même heure, il y aura la nourriture, demain à la même heure. Cet homme connaissait Dieu, il dit même si Dieu est capable de faire une fenêtre au ciel
pareille chose n'arrivera pas. Élisée a dit, tu les verras, mais tu ne mangeras pas. Tu les verras, mais tu ne rentreras pas dedans. Alléluia. Parce qu'il n'a pas cru, il n'a pas vu. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il faut entendre, il y a des choses qu'il faut croire pour recevoir. Le problème, bien aimé, ce n'est pas la réalité de la chose. Le problème, bien aimé, c'est la conviction, c'est le cœur, c'est l'enseignement qu'il faut avoir pour rentrer dans ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que cet homme-là, il est mort. Vous savez, c'est l'histoire des lépreux. Ils sont rentrés, ils ont dit, voilà, il y a la nourriture et tout ça. Et cet homme qui était proche du roi, bien-aimé, qui croyait même en Dieu, ne l'a pas vu. Mais il n'a pas reçu parce qu'il ne l'a pas vu. C'est ce que Jésus dira plus tard dans les évangiles. Si tu crois, tu verras. Alléluia. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Donc des fois, le problème de la pauvreté, l'absence de ressources est associé à l'incrédulité attachée à notre foi. Et parce que nous n'avons pas la foi à certaines réalités de Dieu, nous ne vivons pas ces choses. Voilà pourquoi il faut annoncer ces choses-là pour commencer à les vivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Regardez, je prends souvent l'histoire du fils de prophète. La femme fils de prophète. C'est la femme fils de prophète. Elle est là. Comment son mari est homme de Dieu et elle se retrouve esclave avec ses enfants. On prend esclave avec ses enfants. Parce qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas compris dans l'enseignement, bien aimé, des ressources. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va? Alors je vais avancer rapidement, je parlerai, bien aimé, de l'absence de foi dans les finances. Amen. Rapidement, comme j'ai dit, il y a une certaine foi qu'il faut avoir dans les ressources. Comme j'ai un peu touché ce point, permettez-moi d'aller au second point. Amen. Parce que des fois, on a la foi pour la maladie, pour la guérison, mais on a du mal à avoir la foi pour les finances. Parce que les finances sont des fois des choses concrètes. Et il y a une certaine divinité qui est là. Amen. Attention à l'enseignement. Attention à l'enseignement. Que quelqu'un dise attention à l'enseignement. Alléluia. Peut-être mon chargeur, Seigneur, s'il est plus bon, si c'est possible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je peux débrancher ça? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un me suit? Quelqu'un est béni ce soir? Gloire à Dieu. Amen. Je veux simplement dire que c'est très important pour nous de comprendre ces choses. Parce qu'il y a des réalités que nous vivons, parce que justement, nous ne sommes pas conscients de ces choses-là. Donc nous restons dans cette mentalité de pauvreté, nous activons la pauvreté. Si je crois que le contentement, c'est l'absence de prospérité, d'augmentation, l'absence de ressources, j'attire ces choses-là. Ah, même si je ne comprends pas le sens même du contentement, que le contentement est associé à une saison, mais surtout à un état d'esprit. Alléluia, parce que l'esprit de richesse, d'augmentation, moi, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Et si je ne comprends même pas, je pense que certaines personnes ont des problèmes avec le lien. Parce que là, il y a Warren qui t'écrit, je ne sais pas. Alléluia. Essayez d'écrire peut-être sur la boîte mail de Marina si vous avez peut-être un problème. Je pense qu'elle va gérer. Alléluia. Est-ce que ça va? Donc, il y a un problème d'enseignement associé à ça. Et nous devons comprendre qu'il y a des faux enseignements qui vont nous appauvrir. De la même manière, on ne peut pas aussi faire de l'extrême. Il faut être équilibré. Alléluia. Il faut être équilibré. Que quelqu'un dise équilibre. Équilibre, équilibré. Amen. Ça va? Donc, j'ai dit en 8, l'absence de foi dans les finances. Mais comme je l'ai un petit peu traité, je ne vais pas revenir dessus. Amen. En neuvième élément, je crois que nous sommes bénis ce soir. Je crois que nous sommes bénis ce soir. La neuvième chose, c'est l'absence de respect du positionnement de Dieu. L'absence de respect associé au positionnement de Dieu. Alléluia. Je dis l'absence de respect dans le positionnement de Dieu. Quand je dis ça, je veux dire que, bien aimé, Dieu doit toujours avoir la première place. Lorsque Dieu n'a pas la première place, vous allez amener un esprit de pauvreté. Je parle de la première place dans tout. La première place, et la Bible dit au commencement, que quelqu'un dise au commencement. Que quelqu'un dise au commencement.
que quelqu'un dise au commencement. Au commencement, c'est Dieu. Alléluia. Au commencement, c'est pas toi. Au commencement, c'est pas ton mari, ta femme. Au commencement, c'est pas ton enfant. Au commencement, c'est pas tes projets. Au commencement, c'est pas tes aspirations. Au commencement, c'est Dieu. Et lorsque Dieu n'est pas respecté dans son positionnement, nous allons activer un esprit de pauvreté dans nos vies. Et il est très important que Dieu soit à sa place. La Bible dit ceci, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Colossiens 1, verset 17, la parole de Dieu dit ceci. Il est avant toute chose. Que quelqu'un dise, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Alléluia. C'est très, ce texte est très important. Il dit, il est avant toute chose. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire, et nous devons comprendre que Dieu, on ne peut pas le représenter. Amen. Mais la Bible dit, il est avant toute chose. Ouais, là, c'est ma serviette. C'est Dieu qui est avant toute chose. Amen. Et la Bible dit, toute chose subsiste en lui. Ça veut dire, toute chose que nous avons besoin est en lui. Alléluia, ce n'est pas le contraire. Si tu as le contraire, tu mets le contraire avant Dieu, tu vas activer un esprit de pauvreté. Alléluia. Ça, c'est très important. Amen. Donc, lorsque je parle de ça, c'est la Bible dit, je suis alpha et je suis oméga. Lorsqu'il parle d'alpha, ça veut dire qu'il doit toujours être avant tout. Lorsqu'il parle d'oméga, ça veut dire que c'est toujours lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas toi qui rajoute. C'est-à-dire que quand tu parles, on dit amen, on arrête. Amen. Personne ne rajoute après. Alléluia. C'est pas oui mais. Non, Dieu, il dit quelque chose, c'est fini en fait. Tu ne peux pas rajouter. C'est ça la vision en fait d'oméga. Amen. L'oméga, c'est celui qui ferme. L'oméga, c'est celui qui, au niveau de la boucle, s'arrête. L'oméga, c'est celui qui arrête. C'est-à-dire, même si les médecins disent c'est fini pour toi, Dieu dit c'est bon, il arrête. Alléluia. Même si le médecin veut ajouter, c'est là des fois on confond les gens. On confond les diagnostics des docteurs. On confond les diagnostics même de l'économie. On confond les diagnostics même associés à notre vie. Amen. Parce que Dieu parle. Quand Dieu parle, c'est fini. C'est lui l'oméga. On ne peut pas rajouter. On ne peut rien mettre. C'est fini. Alléluia. On arrête. La porte est fermée. C'est là où on dit, lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Ça, c'est la dimension d'oméga. C'est lui qui a le dernier mot. Mais la dimension d'alpha, c'est lui qui doit commencer. C'est lui qui doit tout le temps commencer. Lorsque les règles changent, c'est compliqué. La Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Ça veut dire que tout fondement, toute chose découle premièrement de Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. C'est vraiment bon, hein? Amen. Dieu doit toujours être à la base. C'est-à-dire dans tes finances, Dieu ne doit pas être au second plan. Dans ta dîme, tes offrandes, Dieu ne doit pas être au second plan. Si tu comprends ce principe-là, tu vas anéantir l'esprit de pauvreté et activer les richesses de Dieu dans tous les domaines. Si tu comprends que dans tes relations, Dieu doit être le premier, tu vas anéantir toute influence contraire. Si tu mets constamment Dieu d'abord, tu vas activer les choses de Dieu avant même ton travail. Amen. Je vais vous dire une chose. L'activité, c'est bien. Mais être actif sans mettre Dieu, c'est un problème. Alléluia. J'ai dit, être actif sans Dieu, c'est un problème. Travailler et ne pas honorer Dieu, c'est un problème. Travailler et ne pas venir à l'église, c'est un problème. Amen. Travailler et ne pas lire sa Bible, c'est un problème. Travailler et ne pas prendre des temps d'adoration, de lecture biblique, c'est un problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? À chaque fois que la place de Dieu n'est pas respectée, il y a anarchie, il y a un problème et on active une influence qui est compliquée parce que Dieu ne négocie avec personne. Alléluia. Il a la première place. Il a le rang le plus élevé. C'est ce que la Bible dit. Ils sont dans Éphésiens 3. Il a été élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité. On dit tout nom. On parle des esprits, on parle des entités, on parle des anges, mais on dit tout non. On parle du travail, on parle de la famille, on parle de tout non. Amen. À chaque fois qu'il est déplacé, bien-aimé, vous pouvez activer un esprit de pauvreté. David dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde qui doit perdre son âme? Alléluia.
tu peux tout perdre. C'est là où même la Bible dit, je désire que tu prospères comme l'état de ton âme. Alléluia. Ton âme prospère par la parole et par la puissance de Dieu. Et parce que Dieu est en premier. Et quand Dieu n'est pas mis en premier, tu vas activer un esprit de pauvreté, un esprit de destructeur, quelque chose qui ne vient pas de Dieu, parce que tu as changé la place des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Et comme on parle de finances, on parle de l'économie, alors je prends plusieurs éléments. Alors c'est vrai, je ne vais pas accentuer sur ça, c'est pareil. Quand tu as l'argent, sécurise ton argent. Tu le sécurises comment? En donnant au Seigneur. Alléluia. Ce sont des principes, ce sont des réalités qui vont amener la faveur. Parce qu'à partir de là, tu reconnais déjà que Dieu est puissant. Amen. Tu n'es pas contrôlé par maman. Tu n'es pas contrôlé par ton travail. Tu n'es pas. Non, tu es contrôlé par Dieu. Donc quand tu fais ça, tu le sacrifies, tu le sanctifies. Et Dieu ne négocie aucune, avec aucune personne. Zabra de l'obras. Que quelqu'un dise il est l'alpha. 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 Il est le premier. Il est le number one. Il est celui qui doit avoir la première place. C'est lui en fait. C'est lui le fondement. Tu ne peux pas toucher ce fondement. C'est là où la Bible dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et vous aurez toute chose. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. La dixième chose qui amène l'esprit de pauvreté. Et nous devons identifier ça, bien aimé. La Bible dit ceci dans Matthieu 18, au verset 23. Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi voici, à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décide de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui amena un qui lui devait une énorme somme. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors, son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme. Vous imaginez, vendre sa femme et ses enfants et tout ce qu'il possédait afin qu'il rembourse la dette. Au verset 26, il est dit ceci. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit, « Prends patience envers moi, je te payerai tout !» Le maître eut pitié et annula sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait jusqu'à l'étouffer en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en se disant « Prends patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison en attendant qu'il paye ses dettes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc là, vous voyez, nous avons deux situations. La première situation, c'est cet homme. Vous voyez, cet homme-là, il devait de l'argent. Et parce qu'il devait de l'argent, on était prêt à prendre tout ce qu'il avait. Prendre sa maison, prendre sa femme, ses enfants, et en esclave pour qu'il puisse rembourser. Waouh, c'est chaud. Et voyez comment il est sous pression. Il a tellement la pression, il supplie. Et ce qui est compliqué, c'est que l'homme l'a mis la pression, le roi, mais le roi a eu compassion de lui. Lui, on lui devait aussi de l'argent. Et il va aussi mettre l'autre personne sous pression. Et il ne va pas avoir de la compassion, il va mal fonctionner. Amen. C'est là, des fois, je suis un peu énervé contre les enfants de Dieu qui, des fois, lorsqu'ils reçoivent de la bonté, ils ne savent pas être bons avec les autres et ils préfèrent être durs au lieu de réaliser que le Seigneur a fait du bien. Alléluia. Le Seigneur leur a donné de la compassion. Nous ne devons pas être comme ça. Mais dans cette histoire, ce qui m'intéresse ici, c'est la pression que nous pouvons avoir lorsque les dettes s'accumulent. Lorsqu'il y a plusieurs dettes, l'esprit de pauvreté, bien-aimé, est aussi activé lorsqu'il y a plusieurs dettes. Alléluia. Dans 2 Rois 4, verset 7, cet homme-là est mort, mais il a laissé sa famille dans une situation chaotique. 2 Rois 4, verset 7. Alléluia. Proverbe 22, verset 26 dit, « Ne sois pas parmi ceux qui
prennent un engagement parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Alléluia. Et des fois, c'est vrai, on peut être débordé. Des fois, on peut avoir des situations compliquées. Amen. Et ça peut arriver. Mais nous devons, bien aimé, développer l'attitude, la mentalité, bien aimé, pour rembourser les dettes. Parce que sinon, ça s'accumule. Et c'est comme ça qu'il y a un esprit de pauvreté qui vient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et souvent, vous pouvez avoir des dettes. Amen. Au travers, je ne sais pas, les impôts, le téléphone et tout ça. Et vous n'osez pas affronter. Mais plus tu n'affrontes pas, plus tu accumules, plus tu actives un esprit de pauvreté dans ta vie. Et je sais que des fois, ce n'est pas évident. Des fois, on ne sait pas comment trouver la solution. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que l'accumulation de dettes, ça active, bien aimé, un esprit de pauvreté. Et je voudrais encourager, bien aimé, chacun à affronter. Affronter. Des fois, les courriers arrivent à la maison, tu ne veux pas ouvrir. Parce que tu sais que si tu ouvres, il y a les dettes qui doivent arriver. Donc, tu préfères ignorer. Mais l'ignorance ne fait que retarder la situation. L'ignorance ne fait que te conduire à accumuler, bien aimé, des situations compliquées. Et des fois, c'est ça, en fait. Tu ne veux pas, oh, tu as peur, tu trembles. Et non, 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 non. Oh, il y a plusieurs situations qui peuvent te permettre de régler ces choses-là. Tu peux à téléphoner, essayer de t'engager avec des petits montants. Même des petits montants, en fait, les gens, ils aiment bien ça, en fait. Mais déjà, lorsque vous faites ça, vous anéantissez, bien aimé, l'esprit de pauvreté qui veut prendre le contrôle dans votre vie. Vous pouvez aussi demander, il y a des assistantes sociales, comme on a pu aborder, qui peuvent aussi aider dans ce domaine-là. Alléluia. Mais il est important de ne pas rester dans une position où en fait les choses s'accumulent, où vous sentez la pression comme cet homme. Vous sentez la pression. Et quand vous sentez cette pression-là, vous ne pouvez pas être bien. C'est pas vrai. Alléluia. Vous ne pouvez pas être bien. Et je dis souvent peut-être que le prophète est mort à cause de ses dettes. Parce qu'il était tellement endetté que sa tête a tourné. Et il n'a pas pu parler. Alléluia, il n'a pas parlé, il n'a pas dit à sa femme. Sa femme ne savait pas qu'il y avait une situation compliquée. Son père, même spirituel, ne savait pas qu'il y avait une situation compliquée. Et il est mort en silence avec ces choses à l'intérieur de lui. Il n'a pas affronté la situation. C'est quelqu'un me suit. Alléluia. Je suis en train de dire qu'il faut traiter les choses. Il faut traiter les choses par la sagesse surnaturelle de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? L'accumulation des dettes amène la pauvreté. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Et j'aimerais vous dire que Dieu est capable d'annuler vos dettes. Alléluia. J'aimerais vous dire que Dieu est capable d'annuler votre dette d'une manière surnaturelle. Ça aussi, c'est la foi. La foi amène des fois à ce que les dettes soient annulées. Mais c'est aussi des fois des actes de foi, des actions de foi que nous pouvons faire qui amènent à ce que Dieu annule tes dettes. Tu reçois un courrier. On te dit, ah, on t'a exonéré ces choses-là, on t'a enlevé ce que tu devais nous donner d'une manière surnaturelle. Dieu peut le faire. Et je vais proclamer dans le nom de Jésus que Dieu le fasse pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Tu sais, lorsqu'on dit ces choses-là, on parle d'une manière prophétique. Je crois au pouvoir de la parole. Je crois que la parole est une épée. Alléluia. L'épée pour anéantir toute forme de dette aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu peut, par sa puissance, anéantir les différentes dettes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Et Dieu est capable de le faire. Il faut le croire. Il faut croire que Dieu l'a fait. Il annule. Il peut annuler ces choses. Amen. Amen. Et s'il ne l'annule pas, traitons-le avec sérieux. Amen. Travaillons avec sérieux. Amen. Pour être libérés de la puissance de la pauvreté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Amen. Amen. On est à la combien? Amen. La dixième chose. Non, on doit être à la onzième chose. La onzième chose. C'est l'absence. Bon, Proverbe 24, verset 27 dit ceci. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Amen. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. En fait, tu dois mettre ton champ en état. Tu dois soigner ce qui est à toi. La onzième chose, c'est l'absence de maîtrise de ses ressources. L'absence de maîtrise de ses ressources. Lorsque vous ne maîtrisez pas vos ressources, vous allez activer un esprit de pauvreté. Alléluia. Ça veut dire que vous pouvez avoir des manques
alors qu'en vérité, il y a des ressources qui sont attachées à votre vie. Mais si tu ne fais pas l'inventaire des choses qui sont attachées à ta vie, tu vas manquer. Alors que normalement, tu n'as pas à manquer. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de toi. Et tu dois maîtriser tes ressources. Vous savez, dans la parabole des talents, il y avait 5 talents. Ils devaient maîtriser ces 5 talents. Pas 2, 3. Ils devaient savoir qu'ils avaient 5. Ils ne devaient pas opérer comme des personnes qui avaient simplement 2. Ils ne devaient pas opérer comme des personnes qui avaient simplement 3. Ils devaient opérer comme des personnes qui avaient 5 talents. Est-ce que tu as identifié les talents qui sont à l'intérieur de toi? L'esprit de pauvreté soit est là. Tu dois, bien aimé, identifier les conférenciers, consultants, hommes d'affaires. Alléluia. Pasteur, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Moi, c'est les ressources. Hein. Amen. J'ai des ressources. Un jour, j'étais en train de faire un... J'étais dans une émission à Canal+. C'était un reportage et tout ça. Ils parlaient sur moi. Et puis, à la fin du reportage, Canal+, m'a appelé et m'a proposé un contrat pour être consultant. Consultant? Alléluia. Alors, à Canal+, un vrai contrat. Amen. Je devais commenter des matchs et je devais faire des émissions. 3 émissions, en fait, par jour. 3 émissions par semaine. Et le problème, c'est que je vais prendre mon billet et aller à Paris il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Je vais prendre mon billet, aller à Paris et je ne me voyais pas faire les allers-retours. Je ne me voyais pas au niveau de la semaine parce que je venais d'arrêter le foot. J'ai dit, j'arrête le foot. Déjà, je faisais beaucoup d'allers-retours. Maintenant, s'il faut, je prenne ma voiture, je prenne le train ou l'avion et puis je ne pouvais pas. Et j'avais tout payé. Hein. Me payer l'avion, me payer tout ça pour être consultant. Et ça fait partie des ressources. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Ça fait partie des ressources. Et nous avons des fois plusieurs ressources. Je pense que l'homme doit avoir au moins plus de 500 mêmes ressources, 500 capacités. Amen. Il ne sait même pas. Il y a des trucs des fois aujourd'hui tu es en train de manquer. Mais va au profond de toi. Va. Des fois tu as la capacité de pouvoir vendre des choses que les autres ne peuvent pas vendre, valoriser les gens qui ne veulent pas valoriser. Alléluia, tu peux le faire. Tu peux, comment dire, même influencer les gens dans leur, comment dire, leur bien-être, en comment dire, leur proposant peut-être des services, comment les habiller, comment les maquiller, comment tout ça, comment les encourager. Bien-aimé, tout ça en fait font partie des ressources. Et aujourd'hui, des fois on se plaint, on dit ces choses-là. Non. Non, non, les ressources sont là. L'absence de maîtrise de ces ressources, des fois, amène l'absence, bien aimé, de ressources et l'esprit de pauvreté. Amen. Et des fois, on pense qu'on n'a pas de ressources parce qu'il y a encore le programme du monde. Il y a encore le programme là où on était affecté, là où on était blessé, là où on nous a dit qu'on était nus. Alors, on a vu simplement l'émergence de 2-3 choses et on pense qu'il n'y a que ces 2-3 choses. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Maintenant, tu dois faire l'inventaire. Amen. Soigne tes affaires en dehors. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Il dit, puis tu bâtiras ta maison. Amen. Amen. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Amen. Ça, c'est le projet. C'est la maison qu'on bâtit. Puis tu bâtiras ta maison. Puis tu bâtiras tes projets, ton entreprise. Mets ton champ en état. Réfléchis, regarde. Et puis vois. Amen. Peut-être que ce n'est pas en état parce qu'il y a des blessures, il y a peut-être des mauvaises pensées, des choses qu'on t'a dit. Mets ton champ en état. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et les capacités que tu as ne dépendent pas de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Non, 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 non. Il y a des choses qui sont attachées à ta vie. Alléluia. Et tu peux t'épanouir et tu peux agir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et le dernier point. Le dernier point que je vais développer avec vous, rapidement, bien aimé, c'est le 12e. 12, amen. C'est très bon, hein? 12. C'est le manque d'humilité. Alléluia. Le manque d'humilité. Des fois, l'absence d'humilité nous empêche, bien aimé, de prospérer. Parce que je vous ai bien dit, et j'aurais pu le mettre avant, je vous ai bien dit que la vie chrétienne est des fois, c'est des fois des phases. Et des fois, il faut identifier les saisons. Des fois, il faut être humble, c'est-à-dire tu vas à tout prix faire ce travail-là. Non, si on te donne un travail peut-être différent, fais-le, alléluia. Bien sûr, fais-le. Fais-le, tu vas reprendre de la confiance, tu vas être en activité et tu vas commencer à activer les ressources. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Il y a des fois des choses qui te dérangent. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, mais je dis qu'il y a des fois des choses qu'on accepte pas parce qu'on a un manque d'humilité. Je ne veux pas dire qu'il faut tout accepter.
Mais des fois, il y a de l'orgueil qui nous empêche de faire certaines choses. Or, ces choses-là ont pour objectif aussi activer, bien aimé, des ressources, des finances. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Ça va? Ça va? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Alors, je vais aussi juste vous donner quelques conseils. Je sais qu'on a parlé de la gestion financière, mais je vais vous donner quelques conseils pratiques sur la gestion financière rapidement. Vous savez, aujourd'hui, les Juifs dominent l'économie du monde. Amen. On le sait. Et généralement, ils dominent l'économie du monde parce qu'ils mettent les principes, en fait, de l'ancienne alliance. Amen. Et c'est pour ça qu'on peut voir plusieurs Juifs dans beaucoup de positions d'influence. C'est parce qu'en fait, il y a des principes qu'ils mettent en place. Et ces principes-là, ils les enseignent à leurs enfants, qui enseignent à leurs enfants. Et ils prospèrent, en fait, dans ces domaines-là. Amen. Amen. Et vous savez, même dans la gestion financière, on a parlé de beaucoup de choses. Mais j'aimerais donner un schéma pour clôturer. Plus clôturer, mon premier message est fini. Pour clôturer, vous avez comme 100 euros. Amen. Sur ces 100 euros, la première chose que vous devez faire, vous prenez 10, amen, pour certains qui sont au début de la vie chrétienne, vous prenez 10, ces 10-là, vous donnez votre dîme. Amen. Ces 10, vous prenez, vous donnez votre dîme. Pour certains, d'autres vont évoluer, vont aller plus loin. Alléluia. Amen. Vous prenez 10 encore. Donc, il vous reste 80, vous mettez vos offrandes. Est-ce que quelqu'un me suit? Les offrandes, et je me suis éclairé sur les offrandes sacrificielles, qui a été très bien dit par la sœur Delphine. Il y a des fois des offrandes sacrificielles qu'on doit faire. Mais les offrandes sacrificielles, on ne les fait pas forcément quand on a une conviction. Amen. Je voulais simplement éclairer ça. On les fait parce que c'est un principe divin. Ce sont des lois. Et les lois, on n'a pas besoin de conviction pour les pratiquer. Amen. Les lois, on n'a pas besoin de conviction pour les pratiquer. Une fois qu'on a identifié la terre, alléluia, on peut constamment, en fait, pratiquer ce type, en fait, d'offrande. Alléluia. Amen. Ce type d'offrande qui nous coûte. Amen. C'est le type d'offrande qui nous coûte. Une fois qu'on a compris ces lois-là, on peut le pratiquer comme on veut. On n'est pas obligé d'entendre la conviction pour dire « là, fais un truc ». Non, non, non. Parce que c'est associé à notre compréhension, notre révélation, en fait, des choses de Dieu. Il y a des choses, on sait que, voilà, ça vaut la peine, Dieu fonctionne comme ça. On sait qu'au niveau des offrandes sacrificielles, Dieu va toujours répondre d'une manière favorable. À partir de là, on ne pratique pas. C'est comme ça que les lois fonctionnent. La Bible dit, les maîtres comprennent comment les choses fonctionnent, les enfants non. Mais les maîtres savent comment les choses principent. Et on peut faire des offrandes sacrificielles, pas par rapport à condition. Il y a des offrandes qu'on peut faire par condition. Mais les offrandes, exemple, qui nous demande un sacrifice, on connaît les principes. Amen. On sait que Dieu va nous bénir si on paye le prix. Amen. Maintenant, c'est pareil. On doit être vraiment conscient par rapport à ça. Ça va? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu as ta dîme, tu as tes offrandes que tu donnes. Hein? Donc, je prends des montants comme ça, mais je veux vous donner un schéma. Hein? 10 euros la dîme, 10 euros, exemple, les offrandes, 10 euros épargne. Parce qu'il faut que tu épargnes aussi dans ta gestion. Il faut que tu épargnes. Alléluia. Tu n'épargnes pas à l'excès, tu épargnes. Parce qu'il y a des fois des situations dans ta vie que tu ne vas pas maîtriser. Et il te faudra des liquidités des fois pour fonctionner. Il y a des fois des choses qui arrivent comme ça. Et si tu n'apprends pas à épargner, tu seras dépourvu. Et quand on dit épargner, ce n'est pas épargner 100. Tu peux épargner 5 euros, tu peux épargner 10 euros. Mais tu dois avoir dans le domaine, dans ta vie, quelque chose que tu mets à côté au cas où il y a des imprévus. Amen. Et ce n'est pas quelque chose d'important. Parce que souvent, lorsqu'on parle d'épargne, les gens pensent tout de suite que c'est des grandes sommes. Non, 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 non. Amen. Tu peux mettre des choses un peu de côté, 5, 10, 50 euros, 100 euros, 200, 500 euros en fonction de ce que tu gagnes. Tu le mets de côté, on ne sait jamais. Il peut avoir des besoins, il peut avoir des imprévus. Dieu peut même te mettre à cœur de faire des offrandes. Alléluia, d'une manière surnaturelle, et tu le fais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais pour ça, il te faut des choses. On dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, c'est demain. Alléluia. Ou on dit, on veut faire quelque chose. J'avais pas prévu. Non, c'est pas ça. On doit anticiper, on doit avoir une connaissance accélérée. Amen. Et anticiper, on n'aura pas peut-être toute la somme, mais on ne sera pas dépourvu.
On aura quand même quelque chose dans lequel on pourra gérer et donner et communiquer. Un problème. Tu as un problème au niveau de la famille. Ta famille a besoin de quelque chose à un moment donné. Amen. Ton enfant a besoin de quelque chose à un moment donné. Ou il y a une offrande, exemple spécial à l'église. Tu as quelque chose que tu as mis de côté dans lequel tu peux dire « Ah, mais c'est pas la panique ». Et le problème, c'est que des fois, on a notre salaire, et vous avez vu, hein, ce matin, on a vu, tout le monde peut bénéficier de certaines finances. Il n'y a personne qui n'a rien. Ça veut dire, avec ce que tu as, tu peux gérer exactement comme il faut. Donc, tu peux prendre, tu le mets en fait de côté, et tu ne touches pas à ça. Hein. C'est pas, oh là, j'ai envie de boire quelque chose, et tu prends. Non, non, non. Tu le mets vraiment de côté. C'est pour des choses vraiment imprévues, des choses spéciales dans lesquelles tu vas prendre. Amen. Donc, mes offrandes, ma vie, mes offrandes, l'épargne. Et la deuxième chose, donc là, on a 30 euros. Je veux dire, allez, 20 euros. Alléluia. 20 euros, tu le mets dans l'investissement. Que quelqu'un dise l'investissement. L'investissement, c'est aussi très important. Amen. L'investissement. Alors, il y a plusieurs types d'investissements. Amen. Il y a des investissements à court terme. Il y a l'investissement aussi à long terme. Amen. Donc là, on est à peu près à 50 euros. Donc, je suis cool. Je veux simplement donner quelques visions. Amen. Ouais. 50 euros ou je peux mettre même 15 euros. Amen. 15 euros d'investissement. C'est pas beaucoup. Hein. 15 euros d'investissement. Amen. Et l'investissement, c'est important. L'investissement, comme il a été très bien dit par la sœur Delphine, tu peux investir pour un projet excellent. Tu veux acheter une voiture. Tu n'es pas obligé de la prendre en prêt. Amen. Tu investis. C'est l'épargne, amen, l'épargne. Et je dis, tu veux investir, exemple, dans l'immobilier, tu veux investir, dans une entreprise, tu mets de l'argent, en fait, de côté. Alléluia, amen. Ça, c'est important, ça peut être un investissement à long terme, amen. Il y a aussi des investissements aussi à court terme, amen. Mais dans ton budget, il faut prévoir ça. Donc, tu peux investir pour des projets que tu peux avoir, très intéressants, dans 10, 20 ans, 30 ans, mais tu peux investir aussi à court terme. Tu investis auprès des orphelins, tu investis dans l'exemple de la bouche autorisée, amen. Amen, dans la vie des responsables, dans la vie de ton pasteur. Tu peux investir, c'est une semence, on appelle ça semer. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne terre aussi. Donc dans nos finances, ça aussi c'est important. Il y a l'investissement à long terme, il y a l'investissement à court terme, ça peut être l'investissement, voilà, tu veux bénir quelqu'un, tu peux le faire aussi. Et ça c'est très important en fait d'englober ces choses-là. Parce que des fois, les gens ne l'englobent pas. C'est là où la Bible dit « remplissez la terre », c'est-à-dire aller investir aussi à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des investissements à long terme, il y a des investissements à court terme, mais dans tous les cas, lorsque tu investis, tu récoltes aussi. Et je veux dire ça aussi, le fait d'investir et d'attendre à récolter, ce n'est pas aussi mauvais. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Ce n'est pas mauvais, pourquoi? Des fois, je dis à mon fils, je lui dis « si tu as une bonne note, je vais te donner ça. » Et souvent, je lui dis, hein. Et il a une bonne note. Et lorsqu'il a une bonne note, il vient me réclamer. Et ça ne me fait pas mal qu'il me réclame, je lui donne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsqu'on grandit avec des personnes qui sont plus grandes, qui comprennent, par exemple, que bien travailler, les personnes sont lycées, et savent qu'ils travaillent, c'est pour leur bien, en fait. Amen. C'est comme donner une offrande, c'est pour ton bien. Ou investir, c'est pour ton bien. Donner à quelqu'un, c'est pour ton... Tu comprends ça. Alléluia. Tu ne le fais pas, tu peux faire, lorsque tu le fais, il ne faut pas dire que tu ne le fais pas pour ne pas recevoir. Tu le fais avec un cœur généreux, tu le fais avec un cœur qui aime. Alléluia. Mais il est possible pour toi d'attendre à recevoir. Parce que plusieurs ne reçoivent pas parce qu'ils ne s'attendent pas à recevoir. C'est comme l'image de deux agriculteurs. Amen. Il y en a un, la pluie n'est pas arrivée depuis des années. Il n'y a pas de pluie. Parce qu'il n'y a pas de pluie, bah, ils ne sèment pas de graines. Alléluia. On leur dit à tous les deux, oh, Dieu va vous bénir, la pluie va arriver. L'autre entend, il dit, ok, d'accord, c'est bien et tout. Mais il y en a un qui sème. Il sème, mais lorsqu'il est en train de semer au sol, il s'attend à ce que la pluie tombe. Et si tu ne t'attends pas à ce que quelque chose reçoive, tu ne vas pas recevoir aussi. Avec, alléluia. Ça aussi, c'est important. Alors, tu n'es pas omnibulé par ça, parce que tu le fais avec un esprit de générosité. Tu le fais avec un amour, un cœur rempli d'amour. Mais tu comprends les principes de Dieu et les lois de Dieu. Parce que c'est lui qui les a établis. Alléluia. C'est pas nous, c'est lui qui les a établis. Amen. Donc, ne pas s'attendre, c'est comme si je ne crois pas aussi au donner et au recevoir. Alléluia. Je ne crois pas aussi au donner et au recevoir. Maintenant, dans le recevoir, il est important pour moi de comprendre que je ne décide pas comment je reçois. Mais je reçois. Alléluia. Je ne décide pas comment je reçois, mais je reçois.
Parce que Dieu peut utiliser des instruments différents pour qu'on puisse recevoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va? Amen. Donc je le fais, mais quand je fais les trucs, je ne suis pas dans la mentalité, je vais recevoir, je donne, non, je donne avec un esprit de libéralité, comme la sœur Lévine a bien dit, je le donne avec un esprit d'amour, ça c'est important, alléluia. C'est-à-dire lorsqu'on donne, on n'est pas dans un premier temps motivé par recevoir, on est motivé par donner de l'amour, donner par générosité, mais on connaît les principes de Dieu. Alléluia, donc on a une disposition aussi à recevoir pour activer ces choses. Et aussi pour conserver. Alléluia. Donc dans l'investissement, il y a ça. Est-ce que ça va? Et ensuite, on a 5, il nous reste 50 euros. Alléluia. Il nous reste plutôt 45, ouais, 45 euros. Amen. 45 euros. Et ces 45 euros, nous allons les mettre dans les dépenses. Donc il y a les dépenses constantes et nécessaires, comme il a été dit, et les dépenses aussi ponctuelles. Les dépenses constantes, c'est le loyer et tout ça. Et les dépenses ponctuelles, c'est lorsque tu veux te faire plaisir. Et c'est des dépenses qui peuvent varier. Amen. Donc tu as une fourchette de 45 euros pour essayer en fait d'opérer par rapport à ça. J'essaie de vous donner un schéma. J'ai essayé en fait de structurer. Amen. Donc par rapport à 45, 100 euros, j'ai dit voilà, 10 euros la dîme, 10 euros francs, 10 euros épargne, 15 euros investissement long terme et court terme, vous le dispatchez comme vous voulez. Ensuite 45 euros des dépenses pour moi. Donc c'est des dépenses constantes. Amen. Donc tout ce qui est manger, loyer, tout ce qui est important, les dépenses ponctuelles, tout ce qui est associé à ce qu'on puisse se faire plaisir. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et j'aimerais, juste pour clôturer, en vous disant ceci, il faut développer la culture, bien aimé, de semer, d'épargner et d'investir. Alléluia, ça doit être une culture. Développer la culture de semer, épargner et d'investir. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Gloire à Dieu. Que quelqu'un me dise qu'il a été béni ce soir. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Mais il doit avoir un problème de bug parce qu'il n'y a pas énormément de... Je pense que la connexion est bonne. Ça passe. Pardon? Ça passe. Ok. Amen. En tout cas, tous ceux qui ont loupé, j'espère qu'il n'y a aucun responsable qui a loupé. Il n'y a aucune personne qui a loupé parce que ça, c'est des messages qu'il faut écouter. C'est des messages qu'il faut recevoir et c'est des messages qui nous permettent d'avancer et d'être productif. Amen. C'est des messages vraiment qui sont très importants. Ça nous permet d'avancer, d'être productif et ça nous fait gagner du temps à nous aussi qui sommes pasteurs. Lorsqu'on enseigne comme ça, ce n'est pas encore pour gérer ce type de cas dans les coulisses. Amen. Parce que nous sommes en train de donner les clés qui vont amener, bien aimé, l'Église à prospérer, à avancer, à exceller. Alléluia. Et ça, c'est très, très, très important. Amen. Amen. Donc voilà, ça c'est vraiment un enseignement, je vous assure. Je l'ai préparé en peut-être, 45 minutes, 50 minutes. J'ai senti dans mon esprit qu'il fallait que j'enseigne ces choses-là. Et je crois que nous avons été bénis. Amen. Donc nous ne voulons pas marcher avec l'esprit de pauvreté. Nous avons dit, bien aimé, en un, la mentalité de pauvreté. Nous devons faire attention à cette mentalité de pauvreté. Nous faire attention à semer dans les mauvaises terres. Investir dans les mauvaises personnes, au mauvais endroit, nous faire attention à la paresse. Amen, à la paresse. Nous devons ne pas épargner à l'excès. Nous devons faire attention à l'esprit d'assistanat abusif. Nous devons faire attention aux faux enseignements, la vision du contentement, la vision bien-aimée du paradis, de la vie éternelle qui est tellement mal conçue, mal compris. Amen, la vie éternelle, c'est de connaître notre Dieu. Nous devons faire attention, bien aimé, à l'absence de foi liée à nos finances. Nous devons faire attention à l'absence de respect du positionnement de Dieu. Amen. L'absence de respect du positionnement de Dieu. Dieu doit toujours être l'alpha. Dieu doit toujours être le commencement. Nous devons faire attention à l'accumulation des dettes. Nous devons affronter les dettes. Nous croyons que Dieu, par la prière, peut nous donner la sagesse, mais par la prière, peut renverser les choses. Et je prie que la paix de Dieu soit dans le cœur de toutes les personnes qui vivent peut-être cette réalité-là en ce moment. Et nous devons aussi faire, entre guillemets, bien aimé, nous devons maîtriser, bien aimé, nos ressources. L'absence de maîtrise de notre ressource. Nous ne devons pas nous laisser affecter par les choses du passé, par ce qu'on nous a dit, mais comprendre qu'il y a des ressources en nous et aussi l'humilité. Amen. L'humilité précède la gloire. On commence même dans un travail, on peut commencer au début et on monte. Et on monte avec Dieu. Et nous avons parlé de la loi de la croissance,
de la loi aussi de l'augmentation. Amen. Et j'ai fait aussi, bien aimé, une parenthèse sur donner vraiment un schéma au niveau vraiment de la gestion. Donc on dit sur 100, voilà, 10 euros dîmes, 10 euros offrande, on épargne pour les nécessités, pour les différentes choses qui peuvent arriver. On investit parce qu'on est des visionnaires, on va loin. Hein. La Bible dit que Isaac a semé au milieu de la famille. Investir, c'est pas évident. Amen. Il a semé au milieu de la famille. Et la Bible dit qu'il a récolté. Mais semer au milieu de la famille, c'est compliqué. Parce que lorsque vous investissez, vous pouvez dire, je peux le garder pour moi, j'ai des besoins. Mais investir, c'est avoir la foi. Investir, c'est croire que Dieu a des choses pour nous. Alléluia. Et ensuite, les dépenses. Et dans les dépenses, bien aimé, il y a les dépenses constantes qu'on doit maîtriser. Et il y a les dépenses aussi ponctuelles qui peuvent varier en fonction de nos aspirations et de notre état. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vous promets que nous allons la semaine prochaine, je sais que je vais faire une réunion. Je vais faire une réunion la semaine prochaine. Je ferai une réunion peut-être le mardi. Amen. Le mardi soir, je vais enseigner l'enseignement que je n'ai pas enseigné aujourd'hui. Ah non, il y a un refuge pour elle. Amen. Ok, la semaine prochaine, il y a un refuge pour elle. Il y a des activités avec refuge pour elle, je ne vais pas l'enseigner là. Donc après la semaine de refuge pour elle, je vais prendre le temps d'enseigner le message que je devais enseigner sur comment influencer, dans le domaine sociétal. Comment exceller en fait dans le domaine. Donc j'enseignerai par rapport à ça, je compte vraiment au niveau de la présence de tout le monde. Je pense que je le ferai un vendredi comme je fais un peu Diaconéo. Je prendrai le temps de nous enseigner par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses et je crois que Dieu va nous étirer. Je crois que Dieu va nous bénir abondamment. Alors je vous encourage vraiment à réécouter et je vous assure, toutes les personnes qui n'étaient pas là, il faut leur dire, il fallait être là. Parce que voilà, je sais que la journée était longue, mais là il y a 62, ça ne me plaît pas du tout. Amen, ça ne me plaît pas du tout. Amen. Les gens auraient dû être présents, écouter en fait l'enseignement, parce que c'est des choses qui sont importantes et c'est des choses qui peuvent nous étirer et nous permettre en fait de pouvoir progresser comme il faut. Amen. Mais béni soit le Seigneur pour les personnes qui étaient présentes et je prie que la grâce de Dieu vraiment augmente dans votre vie, que le Seigneur vous fasse du bien d'une manière surnaturelle. Ah, peut-être que effectivement les gens étaient peut-être deux ou trois chez eux, c'est possible aussi. Amen, parce que bon, dans les directs, il n'y a pas beaucoup, alors qu'il y a les trois églises, on devrait être plus nombreux parce qu'aujourd'hui, on ne travaille pas et puis il n'est pas très tard. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vraiment vous bénisse d'une manière vraiment abondante, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je prie que tout ce que nous avons pu recevoir aujourd'hui, nous puissions le mettre en pratique. Nous devons vraiment nous étendre, nous voulons démontrer la puissance de Dieu et qu'elle brille. Brille dans notre manière de se déployer, qu'elle brille. Amen. Que vraiment nous puissions essayer d'être présents dans le domaine de la société, dans le domaine des finances. Que ce ne soit pas que les gens du monde, mais que nous aussi nous puissions être là. Nous voulons être présents tout en gardant notre cœur, tout en préservant l'essentiel, tout en comprenant, oui, Jésus est le premier. Jésus doit être toujours le number one, comme je l'ai dit, bien aimé. Sa position doit être respectée, mais aussi être influencer le reste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les seigneurs, je viens devant le trône de ta grâce ce soir. Et je te bénis pour chacun des personnes qui a été connectée, chaque personne qui a écouté cet enseignement. Je te demande vraiment de encore amplifier l'écho de ta voix dans chaque cœur. Seigneur, je te demande non que ce message ne reste pas dans l'âme. Je refuse, Éternel, d'écouter constamment de messages et pas d'être changé et ne pas de vivre éternelle excellence. Je prie, Seigneur notre Dieu, que les ressources de tout à chacun puissent se déployer d'une manière surnaturelle et puissante. Je te demande, Éternel, de bénir toutes les personnes ici présentes, quel que soit le domaine dans lequel ils sont, Seigneur, dans la vie, dans la société. Que ta grâce, Seigneur, soit leur partage. Que ta providence, Éternel, notre Dieu, soit, Éternel, notre Dieu, leur partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu nous donnes par ton esprit d'assimiler ces différentes révélations qui ont été communiquées, apportées à tout à chacun ce soir. Je crois de tout mon cœur que tu as voulu parler. Je crois de tout mon cœur que tu as voulu, Éternel, notre Dieu, nous enseigner d'une manière particulière.
Le cœur de l'homme a des projets, mais c'est ton plan qui s'accomplit. Et je crois avec certitude, Seigneur, que tu as accompli ton plan ce soir. Bénis ton peuple d'une manière insolente, d'une manière violente et d'une manière improbable. Seigneur, que l'impossible éternel devienne possible éternel, notre Dieu dans nos vies. Je te rends toute la gloire. Bénis, Seigneur, chacun d'entre nous soit glorifié au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Je sais que la vidéo n'était pas forcément de qualité, mais vous avez pris la décision de rester, d'écouter. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Vraiment abondamment. Je pense que je laisserai le message, peut-être qu'on changera peut-être le visu, hein, pour que les gens ne soient pas troublés, mais que vraiment le Seigneur bénisse chacun d'entre nous et qu'il nous amène vraiment à prospérer dans tous les domaines du sens. Je vous aime aussi de tout mon cœur. J'aime trop le ministère Christ Refuge pour tous. On est vraiment, vraiment bien. Le Seigneur est super, il est merveilleux. On est multiculturel, on aime le Seigneur. On est partout. Et voilà, Dieu est bon. Merci Seigneur pour aussi l'intervention de toutes les personnes, de Sabine, d'Henri, du frère Ken, de la sœur Delphine. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont bien voulu travailler, qui ont rendu ces moments possibles. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Voilà, Marina, Chantal, Anna, Agnew, Divine, Maman Charlotte, Elisabeth, Olga, Philippe, Anita, Marie-France, Minerve, Marlene, Kelly, Elisabeth, Mel, Marie-Jeanne, Kelly, Pasteur Géraldine, Christine, Olga, Florence et Jean-Marie, Suzy et Didier, Céline, Anthony, qui encore ? Il y a beaucoup, hein. Qui encore? Michael, Ken, alléluia. Soyez vraiment bénis, en tout cas, à toutes les personnes connectées. Vous êtes connectés à la grâce surnaturelle de Dieu dans votre vie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, reposez-vous bien. Bonne soirée à vous tous. God bless you. Bye bye.